Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, donc je vous propose un menu du dimanche, donc avec un plat familial, la moussaka. Du coup, elle sera version healthy, c'est-à-dire ce qu'on va faire, c'est qu'on va enlever en fait la béchamel qui est au-dessus. Et voilà, donc après on fera tout le reste pareil. Il y a juste ça au-dessus qu'il n'y aura pas. Alors ensuite, donc du coup, je vous propose. Alors attendez, je mets mon chat comme d'habitude. Bonjour Gastro, bonjour Doom. Donc après, donc je vous propose en fait de faire des petits graissins avec un tzatziki, donc voilà deux spécialités, enfin tzatziki grec. Bonjour Bigfoot. tout ça, ouais coucou. Voilà, et donc ça sera des graissins qui seront protéinés, donc on va utiliser la farine de pépins de courge, et on va voir si on a temps d'en faire avec la farine de lupin aussi, donc là où il y a 40 grammes de protéines pour 100 grammes, donc c'est juste trop bien. Voilà, donc tzatziki sera toujours à base de skyr. Le skyr, ne vous inquiétez pas, normalement c'est bientôt fini. Voilà, et ensuite, donc moussaka, aubergine, on aura de la viande hachée. Donc on va tester la viande hachée qui a été. Bon, du coup, je l'ai elle était congelée. Voilà, j'ai décongelé, donc on va voir ce que ça donne. Et comme ça va être cuit, donc du coup, je pense que ça va. Ça devrait aller. On aura aussi une petite salade vitaminée, histoire de se donner des bonnes vitamines. Donc avec des poivrons rouges, poivrons verts, il y aura du jus de citron, il y aura des graines de courge et plus le quinoa. Et on terminera avec un gâteau au chocolat, donc il reste toujours healthy avec à base de chocolat noir 95%. Ah oui, vous avez vu? Voilà, donc on terminera avec les gâteaux au chocolat. Donc toujours avec le chocolat noir à 95%. On va mettre du skyr, on va mettre un peu de sucre complet. Je vais voir pour essayer de le mixer parce qu'ils disent que quand on le mixe, on obtient du sucre glace. Donc on va essayer et il y aura de la farine de châtaigne, un œuf et de. Voilà, pour le menu. Ouais, t'as été sage. Ouais, non, vous êtes tout le temps avec moi donc du coup, bah voilà. Quand même, voilà. C'est normal. Voilà, bon bah écoutez, on se lance. Du coup, en fait, on a pas mal de choses au four. On va commencer déjà par faire dégorger. Ah, je peux quand même le ban, lol. Le roi parle. écoutez, on se lance, hein. Ouais, là, je reste, je regarde ce que vous écrivez. Ouais, je suis désolée parce qu'hier, dans les 20 dernières minutes, franchement, j'étais à l'ouest. Hein. Donc, on va essayer de ne pas être trop à l'ouest aujourd'hui. Donc, on va faire dégorger le concombre et on va surtout lancer les aubergines au four. Donc, il n'y aura aucune matière grasse. Voilà, on va tester. Non, je pense que ça devrait être bon parce que normalement, il ne faut pas digérer bien les aubergines d'huile d'olive. Mais bah, nous, on va pas le faire. Et on verra bien. Donc, c'est parti. Hop. Donc, mon concombre, il est là. Voilà, donc du coup, bah ouais, comme j'ai pas eu de réponse d'Andreas, du coup, c'est pas de menu argentin. On verra une prochaine fois. Donc, un demi-concombre pour ma recette. Alors là, mais qu'est-ce que je fais? Je prends même pas une planche. Bon, bien, voilà. On va les sortir. Du coup, ça va être là. Donc, comme d'habitude, feignasse, je ne vais pas éplucher le concombre. Ça, on va laisser pour après. Mon poste de choucroute de l'âme. Bizarre cette modo comme moi pourtant. Ah ouais. Bon, bah, je vous laisse gérer le truc. Hein. Alors, c'est parti. Attendez, je vais mettre mes planches. Je vais garder ouais, la grande. Les deux autres, ça sera en support, on sait jamais. Voilà, donc du coup, je vais les faire dégorger, mais j'avais déjà essayé sans que ça dégorge. Au moins, ça fera moins d'eau. Et on aura bien. Donc du coup, là, je râpe. Ouais, je râpe comme je veux, parce que j'ai que cette râpe. Du coup. Non, ça marche pas. Bon, hop, on va mettre le bol après. Ah, il y a Framboise. Bonjour Framboise Chantilly, tu vas bien? T'as passé une bonne semaine?
On a fait du sport avant-hier. Les garçons m'ont grandement encouragé, c'était bien. Ouais, tu vas bien, c'est cool. Donc du coup, j'ai pas... Ouais, j'en fais moins. Ouais. Doom ou crustacé? Alors attends. Les mollusques, tout marche avec le chou, surtout si tu as ajouté du fumé comme enduit. Alors du coup là, je pense que c'est du chou, tu l'as fait avec du navet. Ah, attendez, je remonte. Du coup, j'ai pas envie de faire comme hier. Donc c'est la choucroute trois poissons, d'accord. Et c'est une bouillabaisse, encore mieux, il y a du chou. Ok, bah je connais pas, je verrai. non mais d'où j'ai bien aimé la shakshuka et la latte avec ton lard là. La shakshuka, ça avait l'air trop beau. Et du coup, c'est vrai que bah, c'est vrai qu'on peut en faire une version ici parce que là-bas ils mettent beaucoup d'huile et tout, alors que ouais, bonne idée. Et la lotte, bah la lotte, je vais la tester. Hein. Franchement, tu me parles de la lotte depuis un petit moment. Je crois que j'en ai jamais mangé en fait. Donc ouais, je vais tester. Bon, je râpe comme je peux. Donc t'as continué le sport, framboise vanille? Attends, c'est quoi? Ah, il fait un petit bisou. Tu fais un petit bisou. La lotte, trop facile, il n'y a pas d'arête comme la roussette. Ah, yes! Ah ça, la roussette, ça je connais. Ma mère nous en faisait tout le temps quand j'étais petite. Bah, écoute, la lotte, c'est parfait. S'il n'y a pas d'arête, moi ça m'arrange parce que... C'est vrai que je déteste les arêtes. Peut-être pour ça que le poisson n'est pas... Un bon petit rouget. Ok, donc là on est bon. Voilà. Petite poubelle de table. Et donc du coup, le kebab, hein, le kebab c'était très bon. Mais comme il a dit le roi du kebab, en fait, je re dans cette rime, dites donc. Trop fort, je suis. C'est bien les gars, envoyez-vous des fleurs. Je re dans 2 minutes. Ok, ça marche, on va chantilly. Du coup, on va laisser dégorger un petit peu. Voilà, on va même laisser dégorger bien une petite demi-heure. Et là, on va s'attaquer. Donc, on va peser le quinoa. On va lancer la cuisson du quinoa. Très bien, jeune padawan. cuisson du quinoa. Et ensuite, on va faire bah, les aubergines au four. Du coup, j'ai été chercher ça dans mon stock. C'est bon, j'ai du papier soufflé. Et on va surtout sortir des trucs. Ah, bah, reste d'hier. On va pas se prendre la tête. Bon, vous m'en voulez pas, il reste du pain d'hier. C'est pas grave. Hein. Hop, voilà. Je vais pas nettoyer la plaque. Ok, donc ça, on va le mettre juste à côté. Et après, on va venir poser les rondelles d'aubergines. Donc, les aubergines, pareil, vous gardez toujours la peau. Enfin, un maximum si vous pouvez. Parce que bah, tous les nutriments, je vous redis, hein, ils sont dans la peau. Donc, on essaye de garder un maximum. Donc voilà, donc du coup préférez prendre bio, si vous gardez la peau, essayez de prendre bio, ça sera meilleur. Après on peut faire un coup bio, un coup pas bio, hein. Au choix. Décidément, je vais finir le vieux sorcier dégueulasse du royaume. Ouais, le roi tour... ouais c'est ça, le... Ils s'entendent... vous vous entendez bien là tous les deux, hein. Perso, oui, mon ancienneté de vie, je serais plutôt le sage. Ah! T'es maître Yoda? Ah, donc du coup, t'es plus vieux que nous? Ah, donc gastro. Ah, d'accord, ok. Donc du coup, je saurais pas. Si, gastro, t'as dit que t'avais à peu près une cinquantaine d'années, je crois. Ok, donc on va vous les couper. Donc comme ça va passer au four, faut pas les couper trop fines. On va les faire un petit peu large quand même. Voilà, histoire que ça. Hop. Bon là c'est un peu trop. Ouais. Là c'est un peu trop large. Mais c'est pas grave, on va le laisser parce que du coup je vais pas couper là. Hop. Donc on va mettre juste une vingtaine de minutes et après elles seront encore en cuisson quand on fera la moussaka. Bon, bah, elle est un peu vieille, elle date des courses de la semaine dernière, donc.
Tout va redevenir à la normale d'ici une semaine, on espère. Pareil, aïe, ça pique. La PLS. Elle a mis 5 de plus. Oh là là, mais attendez, là, attendez. Nature comme ça, prends ça dans les dents. Ah oui! Mais non, on va le mettre au four. Ça va être très bon. Donc là, du coup, je vais. Hop, le dernier. Et après, vous allez voir, c'est hyper facile parce que le principe de la moussaka, c'est comme le principe de. Mais non, pas nature comme ça. Mais si, si, si. Mais après, ça sera assaisonné avec la. Enfin, c'est une sorte de bolognaise en fait. Et ça commence, elle comprend pas. Ah, j'ai 45. Attaque. Ah, ok, d'accord, pas 50. Excuse-moi, gastro. Ah, ça y est, ça commence. Ouais. Alors, ce qu'on va faire, c'est que je vais rapprocher mon ordi. Je vais juste. Attendez, je vais essayer d'agrandir mon chat. Et non, j'ai fait. Ouais, j'ai agrandi mon chat. Attendez, on va sur le côté. je te le prépare, mort de rire. Attends, tu m'avais donné, je sais plus combien. J'ai agrandi mon chat, du coup, je vois plus ce que vous avez écrit en haut. Non, catastrophe incoming, c'est bon, normalement vous êtes bon là. Ok, allez, c'est parti. Donc, du coup, on va juste se placer ici. On va faire pareil avec la deuxième. Voilà, c'est une grosse moussaka. Hein. Donc, c'est vraiment le plat familial. Donc, je pense que je vais en manger pendant 2 jours. Donc, vous, si vous faites une petite moussaka bah, pour deux et tout, bah, vous prenez une aubergine, ça suffira. Et la viande, vous la. Un petit peu moins, parce que là, il y en a pas mal. Hein. C'était les barquettes, vous savez, à 350 grammes. Du coup, c'est Doom l'ancien. Ouais. Et donc, du coup, Doom, tu nous dirais à quel âge t'as? C'est cool, hein? Ça veut dire que ouais, sur le chat, on a plein de profils différents, c'est trop bien. C'est cool. Ah d'accord, bah, presque 50, donc ok. Donc c'est ouais, c'est Doom le plus ancien. Mais attendez, Bigfoot, il a pas dit combien il avait, hein? C'est peut-être lui, hein? Bon bah voilà, donc nos deux aubergines, on va les lancer en cuisson. On va regarder au bout de 20 minutes. Et aujourd'hui, je mets mes chronos. Je n'ai pas envie de cramer des choses. Alors, laissez trouver ma place. Et ça, c'est trop bien parce que ça sert aussi la base si vous voulez faire un caviar d'aubergine. Ça, c'est trop bon, caviar d'aubergine. Voilà, du coup, on lance. J'ai mis à 180 et on part pour 20 minutes. Bon, normalement ça va pas cramer au bout de 20 minutes, c'est bon. Hein. T'as mis 15 dans ma. Ah, ah donc t'as presque 35. Oh, d'accord, ok. Donc, on considère ça comme jeune ou pas? Moi j'ai 32, donc on considère ça comme jeune. Hein. Je mets mon chrono. Chrono, il est où? Voilà, je crois que je cherche mon application. Donc normalement j'ai mis les notifications parce que j'avais pas une notification de Discord. Donc du coup quand vous écrivez, ben, en fait il faut que j'aille vraiment sur. Donc là j'ai mis les notifications ce matin, j'espère que ça fonctionne. Parce que je suis archi nulle. Hein. Du coup on part pour le chrono. Minuteur. Allez, 20 minutes, on regardera comment ils sont. Faut qu'ils soient un petit peu moelleux. Je suis née à avoir la carte bleue, t'imagines ça? Excellent doux, ouais c'est clair. Bon, en même temps, c'est pas grave. Hein. Très bien. Donc, du coup, on a lancé les aubergines et on va lancer le quinoa. Le quinoa, quinoa. Bon, il me reste ça. Je pense que j'aurais pas encore fini. Je suis en train de faire les fonds de placard comme ça. Il y a vraiment de choses à mettre dans la voiture. Alors, donc on y va, 35 grammes. Et poivron rouge, poivron vert, du coup c'est parce que c'est bourré de vitamines. Et là, vous voyez au niveau là, les cernes là? Voilà, donc on va essayer de reprendre un peu de vitamines. Et en grammes, voilà.
Donc de 87. Ah, Gastro, il a calculé. Donc 87, 35, attends, 13, 13, 20. Ça fait 33, 87, non? C'est la fiesta d'hier soir. Alors sache que hier soir, j'ai été très sage comparé au samedi d'avant. Ok, donc on part sur 35 grammes en fait, parce que ça va faire à peu près 100 grammes cuit. Donc 100 grammes, déjà 100 grammes, ça fait. Voilà, il y a quand même un petit peu de calories. Attendez, donc on sera. Non, on sera à 100 calories. Et on aura de la protéine, hein, toujours, donc quinoa. Toujours intéressant pour sa composition. Donc c'est bourré de fibres et de magnésium. Les fibres, ça vous permet. Ton année de naissance, c'est 87 ou alors 80. Ah, donc là, ça y est, je recommence, c'est moi qui comprends pas. C'est 87. Mais j'ai mis moins de temps que hier. Hein. Non, non, c'est bon, ça va. C'est bon, c'est bon. Ok. Tu rigoles, Bigfoot, ou t'es sérieux? Ok. Bon, donc quinoa. Donc, du coup, j'ai pas fini pour la composition. Donc, voilà, hyper intéressant quand vous êtes à la recherche de protéines. Donc pour vos petits muscles. Et voilà, c'est rempli de fibres. Il y a certes des glucides, mais c'est des bons glucides. Et au niveau du magnésium, en fait, c'est hyper intéressant. Donc magnésium, c'est. Des fois, je doute de moi, mais là, ça me rassure. Un peu des deux. D'accord, ok. Bon, bah, je vais faire attention alors. Oh là là, oh là là. Ok, bon, bah, c'est parti. Vous savez, c'est. Bah, du coup, c'est. Je suis pas derrière l'écran, hein, tout le temps. Donc, du coup, je bouge et je rate, c'est vrai, un petit peu des choses. Donc faut pas m'en vouloir, désolée. Ok, donc là on part sur le quinoa. Donc au niveau du menu, donc à chaque fois j'appelle ça FI, mais je me dis est-ce que j'appellerais pas ça plutôt sportif en fait? Parce que c'est des menus qui vont totalement si vous êtes à la recherche de petits muscles. Ah d'accord, ok, merci Bigfoot, parce que là je commence à avoir un peu de stress quoi. Je veux pas vous perdre, surtout avec mes conneries quoi. Donc ouais, du coup, à chaque fois je dis LC, mais est-ce qu'on changerait pas avec ouais, menu pour les sportifs ou un truc comme ça, hein? Mais non, d'accord, ok. Bon, bah c'est bon alors. Bonjour Lissi. Ah, reframboise chantilly. Alors non, pas fait de sport, vais essayer de reprendre ce mois-ci. Ok, bah du coup, bah ouais, moi aussi j'avais une petite baisse de rythme en fait. Et du coup, on a fait un stream sport avant-hier, c'était vachement drôle. Et j'avais peur, tu sais, qu'au niveau du souffle, j'arrive pas à reprendre et tout. Et du coup, bah, c'était nickel. Donc j'ai pu discuter avec les jojos là sur le chat, qui m'ont bien fait rire. Donc c'était vachement sympa. J'étais soutenue dans. Voilà. Ah, peut-être un client? Non, 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 gastro, c'est bon. Attends, on va se calmer. On va lui laisser le temps d'arriver. Du coup, nos aubergines sont parties. C'est bon, la cuisson du quinoa est faite. Et on va s'attaquer à. Donc on va faire des graissins qui sont bourrés de protéines, qui vont être bourrés de protéines. Enfin, bourrés. Donc on va équilibrer, on va mettre la farine d'épeautre. J'aurais voulu tester juste avec ça, mais pour l'instant, voilà, on va déjà faire les deux, on va faire un mix des deux. Donc je vous rappelle, je ne me sens pas visée par les joujoux. Non mais c'était trop mignon, franchement. Non, franchement, c'était vraiment cool. Du coup, bah voilà, donc on va réutiliser cette farine-là, donc qui est à base de pépins de courge. Donc c'est une farine qui lève pas, donc du coup c'est, on peut pas en mettre, ça peut pas être elle toute seule. Pourquoi? Andy Warhol? Alors attends, le 22 février, que se passe-t-il le 22 février? Primo Levi, le 14 mai, Rita Hayworth. Il y a eu des morts en 87. Merci Wiki Gastro. Ok, on aurait pu faire les dates d'anniversaire aussi. Enfin, ouais, les naissances. D'accord? Voilà. Et donc, du coup, en fait, il y a celle-ci. Il y en a une autre, c'est la farine de sésame. Et j'avais sorti celle-ci. Du coup, je ne vais pas l'ouvrir parce que voilà, je la reprendrai en entière. Donc, celle-ci, c'est farine de noix.
Vous verrez dans le rayon, en fait, il y en a différents. Et celui-ci, il a 47% de protéines. Donc, si vous voulez faire des petits graissins pour l'apéritif et que vous ayez un apport protéinique supplémentaire, du coup, voilà, on met. Donc, c'est 30%. C'est-à-dire que là, je vais faire 30 grammes de farine d'épeautre et vous mettez 10 grammes de ça. Donc, ça fait qu'on récupère quand même 10 grammes. On va récupérer. Combien de. Attendez, pour 100 grammes. On va récupérer 6%. Plutôt que épluche un petit peu là-dedans, plutôt que d'avoir des graissins en fait avec la farine de blé blanche, et là vous récupérez rien du tout. Donc le petit point nutrition est terminé. Nous allons passer à la phase active. Ok. Du coup j'ai mis normalement le truc popcorn, donc je sais pas à quel moment il sort. Donc le chat et ouais popcorn. L'émission turbo a commencé. Génial. Pour moi les voitures ça fait 15 ans, comment te dire? J'ai une voiture qui date, je crois, des années 2000. Donc, autant te dire que ouais, les voitures, c'est pas. Ok, alors on y va pour nos graissins. On va mettre ça là. Attends, c'est une Clio. Du coup, on part sur 10 grammes. De farine de courge. Voilà. Et 30 grammes de céleri. On va y aller à la cuillère parce qu'elle ne va pas remettre. Donc c'est juste histoire d'en faire quelques-uns pour tremper dans le tzatziki. Voilà, donc j'étais à 10, là ça fait 13. Un peu de vin, on va faire une cuillère à soupe. Donc une cuillère à soupe, hein, si vous n'avez pas tout pour peser, c'est à peu près 10 grammes. On y vient. Parfait. Parfait. Ouais, c'est bien, ouais. Bon, en tout cas, elle tient bien. Donc tant qu'elle tient, je ne change pas en fait. Voilà, donc vos graissins, en fait, ils auront une petite couleur en plus. Parce que bah, pépins de courge, là, c'est bien vert. Et farine de lupin aussi, si vous l'utilisez, du coup, vous aurez des graissins qui sont. Non, c'est pas celle-ci. Voilà, hop là. Vous aurez des graissins jaunes. Donc, si vous voulez des petits trucs colorés et tout, ouais, ces farines-là, elles sont sympas. Ah, il faudrait trouver, vous savez, pour Halloween, des trucs noirs. Après, je regarde noir. Je sais pas s'il y a des farines noires, je pense pas. Faudrait que je regarde. Très bien. Donc, ensuite, on continue. On va mettre de l'eau. Donc, on va mettre 20 ml. Donc, là, on repart. Pou, pou, pou. À 20 minutes, c'est parti. Donc il me faut les deux. Donc là aujourd'hui, nous n'avons pas besoin que ça lève. On veut juste que ce soit croustillant, donc normalement ça devrait être bien. Et donc du coup, Doom, j'avais regardé le lien que t'as envoyé et tout, et donc le gars il disait qu'il y en a qui avaient la main verte ou pas avec les levains. Donc moi je crois que j'ai pas la main verte en fait. Ouais, lol, Halloween, ouais, tu m'étonnes. Non, parce que tu sais, j'aime bien faire les menus à thème et faire rouge pour. Farine rouge pour Noël, ouais, c'est une bonne idée, tiens. Après, j'essaie de. Ben oui, avec l'anti-corail. Bon, ce ne sera pas rouge-rouge, mais ouais, on se rapprochera. Non, bah orange pour Halloween. L'anti-corail. Ouais, c'est ça. Ouais, j'ai les mots aussi. Mais oui, complètement. Mais oui. Alors, du coup, on part sur les 20 minutes. Non, j'ai pas. Ok, on est sur 20. Je vais prendre le fouet. Donc nous avons nos farines. Je vais peut-être mettre tous les trucs secs et après je vais mettre l'eau. Il nous faut du bicarbonate de soude et voilà, c'est ça. Alors mon bicarbonate, il est là. Donc bicarbonate, hein, c'est comme la levure. Hein, donc vous prenez pas la tête, si vous avez la levure, ça suffira. Voilà, donc j'en mets un peu. C'est vrai qu'il ne faut pas que ça lève, mais je me suis dit qu'on va quand même en mettre. Piment pour le rouge. Tiens, très bonne idée. Ouais, grave. Mais je vais trop noter. Comme ça, on fera un menu à thème, quoi. Donc là, on est en mai. Il faudrait voir les prochains trucs qui arrivent. Ouais, là, d'ici cet été. Ouais, bah il y aura Halloween, en fait. Après, il y a quoi comme fiesta avant? Ouais, à voir. Du jus de mur, ça ferait une teinture noire. Ou alors encore de l'encre de sèche. L'encre de sèche, ouais, t'as raison, grave. Donc, piment avec... Pour les
Bâtonnets rouges. Ouais, c'est cool. Ah, 14 juillet. Ah, on préfère un menu bleu, blanc, rouge. Ah ouais, très bien. Bonne idée. Du coup, là, on a toutes nos farines qui sont secs. On y va. Et je vais rajouter après des graines de lin. Et on va mettre graines de tournesol. Parce que j'arrête pas de vous dire graines de lin, mais en fait, j'ai pas de graines de lin. C'est des graines de tournesol. Et merde, j'aurais dû la fermer. Bon, bah, tu vois, au moins Gastro, il trouve que c'est une bonne idée. Donc, ouais, je pense que ouais, bleu, blanc, rouge, ça va être nickel. Donc, là, on a le menu argentin qui arrive bientôt. Et je me tâte peut-être pour un menu libanais. Comme j'ai une tonne de persil dans le jardin, je me dis, est-ce que je ne ferai pas libanais d'ici la fin de la semaine? Vous savez, parce que c'est leur salade qui est. Alors, il va falloir m'expliquer comment ils veulent que je forme des bâtonnets avec ça. C'est trop liquide. Bon, bah, je vais devoir mettre plus de farine. Au secours. J'ai dû me planter dans quelque chose alors. 20 millilitres. Ah, j'ai fait 20 centilitres d'eau. Non. Si, j'ai fait 20 centilitres d'eau. Bon. Bleu, ouais. Le roi a tranché. Ouais, le roi a tranché. Pour la couleur naturelle, bleu. Ouais, ça va être compliqué. Du coup, alors écoutez, on va repartir sur 10 grammes de pépins de courge. Au secours. Au secours. Pourtant, j'ai bien pris mon temps. Alors, on repart sur 10 grammes. Qu'est-ce que j'ai foutu? Coco. Allez, zéro, tu te mets à zéro, s'il te plaît. On part sur 10 grammes. Je vais redoubler les quantités, peut-être tripler, hein, pour que ça me forme une pâte. Voilà, donc là on est à 10, je vais remettre 30 d'épeautre. Ça y est, je suis perturbée. Ouais, le Liban, ça ferait être cool, ouais. Ouais, comme là c'est du persil frais, autant. Ouais, vu qu'il est à dispo, autant l'utiliser, quoi. Mais bon, une salade à base de persil, après il faut aimer, hein. Mais de souvenir, de mémoire, en fait, elle est très bonne. Elle est assaisonnée avec des tomates. Donc on repart sur 30 grammes. Hop, c'est bon, on est. Ok. Bon, bah écoutez, je continue à tout lier avec vous. Ouais, je pense que c'est plus ça la consistance qu'il me faut. Je dirais même encore un peu plus. Donc du coup, j'ai doublé les quantités. Et je vais remettre. Moi encore peut-être. Oh là là, j'ai fait des bêtises. Ouais, c'est le taboulé libanais, exactement. Extrait de spiruline, le Blue Magic. Ah oui, ben, ça c'est plutôt vert, je crois. Le Blue Magic, ben, il faudrait que je regarde. Attendez, je prends mon téléphone, je prends des photos de ce que vous m'écrivez. Ah, attendez. Hop. Voilà. Comme ça, j'ai tout. Ouais. Du coup, on va remettre un peu de farine. Je vais remettre 20 grammes d'épeautre. Parce que normalement, il faut qu'on puisse les rouler en fait. Et comme ça, après, on fera en feuilles. Alors, bah, du coup, là, j'y vais à la main. Est-ce que vu que c'est un peu collant, on mettrait pas ça au frais? Ouais, je crois qu'on va le mettre au frais. En fait, ces farines-là, elles sont juste un peu embêtantes parce que c'est vrai qu'elles collent beaucoup. Donc du coup, on était à 30-60, on est monté à 80 grammes d'épeautre et on a mis 20 de courge. Bon. Ouais, c'est vrai qu'elles sont hyper collantes. Écoute, on va mettre ça 10 minutes au frais. Comme ça, après, on pourra les rouler sympa. Mes graines, je vais mettre juste mes graines de tournesol et mes graines de lin.
toujours pour les protéines, il y a la fête de la musique aussi. La fête de la Saint-Jean. Fête de la Saint-Jean, il y a des couleurs particulières ou pas? Un BBQ gin. Le 8 mai. Le 8 mai, c'est. Bah oui, c'est la fin de la Seconde Guerre mondiale. Mais du coup, il n'y a pas de thème. Ça va être compliqué d'avoir un thème. Alors, hop, et je tourne ça. Ok, on y va. Donc là, en fait, c'est au choix. Hein, soit vous mettez. Moi, je vais mettre une bonne cuillère à soupe. Pareil pour les graines de lin. Cuillère à café, bon. Ouais, vas-y, on y va. Hein. De toute façon, c'est hyper bon pour la santé. Donc, n'hésitez pas à en mettre dans vos salades. Hein. En plus, c'est pas cher du tout. Hein. Franchement, donc les graines de lin et les graines de tournesol, je crois que le paquet, c'est genre. Enfin, vous prenez en vrac, vous en avez pour 1 euro ou 2 euros, c'est pas cher du tout. Ok, donc là, on va avoir des jolis greffins. Donc là, du coup, ils sont verts. Donc vert, on pourrait le faire pour la Saint-Patrick. Bon, dommage, c'est passé. Ok, bah tout à l'heure, on verra pour en rajouter un peu, pour décorer. Bah, un gros feu. T'as raison. Ok, donc du coup, là, on est bon. Donc les graissins, on va dire 10 minutes. Voilà, donc on a la tatika préparée. On va commencer à préparer la sauce pour la moussaka. Les graines. Ouais, c'est trop bon, ouais, je suis d'accord. Grave. Alors, du coup. Ça, j'ai plus besoin. Donc, je vais faire le petit rangement au fur et à mesure. Donc, ça, on va en avoir encore un peu besoin. Ça, de côté. Ça, j'ai plus en avoir besoin. Ok. Attends, je vois déjà ma voiture repartir avec, avec les sachets de farine et tout. Au secours. Tu ne manges pas de graines? C'est très bon pour la santé, les graines. Tu devrais. Ah bah vivement que je vous fasse un stream quand je serai rentrée, comme ça. Ouais. Je vous montrerai ma petite boîte à graines. Ah, le quinoa est toujours pas cuit. Ça en laisse. Donc go pour donc on va faire on va éplucher notre oignon qu'on va faire revenir à la poêle. C'est le même principe que, en fait, que la bolo. Ouais, c'est trop bon, je suis d'accord. Voilà, donc du coup on va prendre l'oignon, on va prendre de l'ail, du thym. J'ai pris du thym frais du jardin, du thym frais, j'en ai aussi en séché, et thym et origan. Oh, bon. On va surtout sortir une petite plaque. Je me tâte un peu parce que du coup, en fait, comme il y a beaucoup de viande, je suis pas sûre que ça soit suffisant, ça. Je vais peut-être prendre l'autre. Ouais, on va prendre celle-ci, ça va être, ça sera mieux. Voilà, et comme du coup, il faudra laisser revenir une vingtaine de minutes en cuisson, voilà. Bon, ben voilà, c'est parti. L'oignon, donc l'oignon. On va voir comment. Bah, du coup, je vais utiliser ce grand couteau, voir si j'arrive à mieux couper l'oignon. Tiens, on va faire une poubelle de table. La question, où est-ce que sont les protéines, hein? Ouais, l'ennemi juré, tu m'étonnes. Donc dans le plat, du coup, il y a 350 g de viande, donc ça fait quand même ça fait 20, 40, 60, 70 g de protéines. Donc du coup, si bah, alors, on pèse 50 kg par exemple, je ne voilà, bah, ça fait que bah, j'ai ouais, bah, en tout cas, je vais manger tout ça aussi. Donc, voilà, ça va être réparti sur les différents plats. On va regarder juste les aubergines. On va laisser encore peut-être 10 minutes. Et ben voilà, regardez, elles ne collent pas. Non, elles sont moelleuses et tout. Donc non, c'est bon, on va les récupérer. Ah non, on va les laisser griller encore. Allez, 5 minutes. Juste
jusqu'à ce qu'elle soit un petit peu plus moelleuse au milieu. Allez, on va repartir sur 5 minutes. Je ne lâche pas mon chrono et je ne vais pas lâcher le chat non plus. Voilà. Donc on va essayer de tout faire en même temps. La déco pendant les prochaines opérations techniques. Ouais, tu m'étonnes. Il y a le chat. Le chat, non, il n'est pas passé. Alors, on y va. Donc, nous mettons nos doigts comme ça. Et vers l'extérieur. Ah bah, c'est celui-là. Non, j'arrive pas avec celui-là. On va essayer avec celui-là. Ah bah, je sais pas ce que vous en pensez, ça va un petit peu mieux, non? Ouais, je crois qu'on est bien là. Donc du coup, en fait, faut pousser en même temps. Hop là, non. Lui, il a un peu déverrouillé. Non, pas de chat. Tu voulais l'émoticône, c'est ça? Ouais, en fait, lui, il est un petit peu... il est un peu dangereux. Voilà, j'enlève. Bon, c'est... ça va venir petit à petit. Du coup, à la fin, je termine à ma façon. Voilà. Et pour couper... Non, je vais les laisser comme ça. Hop. Vous pouvez les couper en dés hein, si vous voulez. Moi, je vais les laisser. J'aime bien comme c'est en tranche. Gros comme le chat. Si tu as une tranche arabe d'aubergine, tu l'enduis de mise au brun et sauce soja épaisse, puis tu la laques au four à griller. Ok, bah écoute, on va faire ça. Ouais, ça marche. Alors, attends, je l'enduis de... Alors, mise au brun, j'ai pas. J'ai mise au blanc. Du coup, tu penses que ça marche? Et sauce soja épaisse. J'ai pas de sauce soja épaisse. J'ai la sauce soja qui est hyper liquide en fait. Mais par contre, je vais noter. Parce que ça, je pense que ça peut être un petit caviar d'aubergine qui. Et même qui peut être très bon. Ah, attendez, je prends la photo. Voilà. Alors, attends. T'imagines si t'as un mec, faut faire ça 3 fois par jour. Ouais, tu m'étonnes. C'est clair. Soja, si tu obtiens un steak végé d'aubergine. Alors attends, donc tu me dis juste, en fait, je le nappe de soja et je le laisse griller dans le four. Bah ouais, bah écoute, je vais tester. On reprend la technique. Bon, c'est encore un petit peu, c'est épais, fin. Ouais, mais hop. Enfin, je pense que j'ai pas des bons couteaux non plus. Voilà, donc du coup, bon, ça c'est là. Bon, on est parti, on va mettre en cuisson. Donc un tout petit peu d'huile d'olive. Ouais, framboise. Ouais, j'ai encore mes doigts. Ouf. Du coup, allez, on y va. J'ai mis à chauffer, on va mettre un tout petit peu d'huile d'olive. Voilà, donc vous, si vous ne faites pas forcément attention au grain, vous pouvez mettre plus que moi. Moi, je vais mettre juste quelques gouttes. Ouais, donc ma technique, c'est un peu moins bon forcément, mais vous inquiétez pas, il y aura quand même du goût parce qu'il y aura des épices, il y aura de la sauce tomate. Donc on ne sera pas ennuyé même s'il n'y a pas trop d'huile d'olive. Et du coup, je vais les faire revenir et je vais mettre un petit peu d'eau. Comme ça, bah, ça ne va pas cramer. Ouais, bah c'est bon, ouais. C'est clair. Hein. Technique de cuisinier, je ne l'ai pas encore. Bon, c'est bien là, mais mon concombre a bien dégorgé. Voilà, donc ensuite, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Le gâteau chocolat qui doit passer au four. Bah écoutez, on va couper les légumes pour terminer la salade de quinoa. Je regarde s'il est cuit. Bon, encore un petit peu. Et on sera bon. Bah, du coup, je vais avoir besoin de ça. Je vais mettre mes concombres là-dedans. Donc, tzatziki, salade super fraîche. Hein, Et là, du coup, comme vous mettez du skyr, plein de protéines. Bon, moi ça fait un peu bouilli, mais normalement si vous avez une bonne râpe, donc je vous montre, hein, ça fait un peu bouilli.
Mais si vous avez une bonne râpe et tout, normalement ça donne pas ça, hein. Ça donne des petits trucs plus sympas. On va rien dire, hein, voilà. Ouais, super, magnifique. Donc attends, c'est quoi cet émoticône? C'est un petit chat. Ok, on est bon. Donc ça, c'est les aubergines. Alors du coup, je vais les sortir et je vais en laisser un que je vais laquer. Et du coup, je vais mettre le miso blanc. Et je te dirai, je vais mettre du miso blanc. C'est quoi? Encore le chat? C'est quoi? C'est parce que je suis au top au niveau du chronométrage et tout, et du chat. J'arrive à tout faire en même temps. C'est un petit chat qui se lâche. Ah d'accord, ok, comme mon petit chat. Ouais, comme mon chat quand il fait sa toilette. Ok, bah écoutez, là on est bien. Voilà, donc le but en fait c'est vraiment qu'elle soit moelleuse. Parce qu'après, bah, ça va repasser au four, hein, pendant 20 minutes avec l'autre. Mais voilà, comme vous faites la cuisson des aubergines. Et du coup, je vais essayer avec miso blanc et sauce soja. Ça me tente vraiment bien. Alors, miso blanc. Non, il y a le gingembre. Ça prête pas mal. Salut mes crins. Ah, bonjour mes crins. Hey, salut tout le monde. Ouais, ça va? Et là, du coup, on a un petit chat, voilà. Framboise chantilly, tu kiffes les chats, c'est ça? Ah, tu vas bien? Du coup, donc là, on est sur la moussaka. Attendez, attendez. Une cuillère. T'as raté le kebab hier, c'était juste impressionnant. Du coup, ça s'est bien terminé quand même. Mais c'était grandement impressionnant. Alors du coup là je mets le miso. Donc là je teste ce que Doom m'a dit et ça me tente bien. Mais du coup c'est avec du miso blanc. Bon ça c'est pas dans la recette originale. Hein. Hop. Ça c'est à part, ne faites pas attention. T'as vu la photo? Ouais franchement. Bah écoute. Ah t'aimes trop les dimanches. Bah ouais. On est plus tranquille en fait. C'est dimanche. Hein. Même si parfois on a quand même du mal à se rendre compte. Mais là le petit week-end de 3 jours ça a fait du bien, hein, franchement. Ouais. T'as vu les photos, ouais. Ouais, c'était un peu galère en cuisine, mais du coup on a réussi à rattraper un peu. Ouais, c'était sympa. Et donc, ah, c'était bon. Et le poulet, en fait, bah, le roi du kebab, il a raison, tu vois, le poulet il reste un peu sec. Donc du coup, si vous faites la recette, il faudra rajouter bien du beurre dans la plaque. Mais c'était quand même très bon. Et la sauce, elle était trop bonne. Et le pain aussi, hein, franchement, il était... Il y a sauf cafard en fait, je lui ai un peu cramé son durum. Du coup, voilà, il voulait un durum pour. Je l'ai un peu trop fait chauffer. Voilà. Peut-être pour ça qu'il n'est pas là, cafard aujourd'hui. Bah oui, il n'est pas là. Ouais, peut-être que. Non, je déconne. Ok, donc là, j'ai lancé mes oignons. Je vais les laisser griller. Et on va récupérer les aubergines. On va les mettre. Je vais déjà commencer à les mettre dans le plat. Je vais en mettre en bas. Voilà, comme ça. Ok, donc ça va là. Ça va là. Les œufs, je mets dans une assiette. Comme ça, du coup, je vais récupérer la plaque. Et on va mettre à griller au four d'aubergine. Et donc ça, vous faites un peu plus griller, vous le récupérez en caviar d'aubergine avec un petit peu d'ail, de l'huile et tout, c'est trop bon. En mezzé et tout, c'est trop bon. Et enfin... Mais si, normalement, popcorn. Vas-y, tape popcorn. Ok, donc ça, on met de côté, voilà. Popcorn, ça marche ou pas? Bon, mince, donc du coup, j'ai fait encore des bêtises. Ah, ça marche pas, négatif. Ah mince, du coup, mince. Bon, bah, j'ai fait encore des bêtises. Normalement, il devait apparaître aujourd'hui. Ok. Ouais, je l'ai ajouté hier. Ouais, ah, mais oui, c'est ça l'histoire. Effectivement, il faut, vous savez, il faut quelques jours pour que ce soit validé. Comme le chat, mais oui, j'ai complètement zappé. Et comme le chat, en fait, du coup, ouais, c'est ça.
Merci Big Foot. Bou bou bou. Twitch, c'est un week-end. Là, ouais, c'est clair. Ouais, c'est vrai. Il faut un petit peu, genre 48 heures peut-être, un truc comme ça. Alors, du coup, j'ai fait. Du coup, Doom, on va tester. Hein. Donc, j'ai laqué, j'ai mis du miso et j'ai mis de la sauce soja. Et je vais mettre à griller au four en attendant. Je vais mettre un petit quart d'heure. Et du coup, on va peut-être se lancer dans le gâteau au chocolat parce que du coup, le four il est allumé. Ah non, maintenant, bah non, le grissin. Alors, attendez. Donc là, je garde mon téléphone. Donc, un petit quart d'heure. Voilà, pour. On va juste faire un petit peu de rangement là. Du coup, la feignant chez Twist. Ah, bah oui, donc merci. Bah, tu m'as mis un popcorn. Ah, merci. Vous allez voir, moi, il est. Bon, j'espère que vous allez le trouver sympa. Du coup, ça, j'en ai besoin encore après. Je garde. Je range ça. Et on va attaquer. On va attaquer. Je vais sortir la viande. Ah oui, mince. Bon, la viande, mince, j'aurais dû la sortir avant. Faut que vous la sortiez un petit peu avant pour qu'elle prenne la température, que ce soit meilleur. Alors, je récupère mon quinoa. En fait, du coup, je me rends compte que là, il y a pas mal de choses à faire. Hein. Bon. Ok, donc j'ai récupéré mon quinoa. Donc il faut bien une vingtaine de minutes, hein. Jus du bus. Bon là c'est juste pas possible en fait. Alors juste vous me donnez, s'il vous plaît, 30 secondes pour que voilà, pour que ça revienne. On va faire un petit point vaisselle. Et après on va s'occuper. Bah, là, donc la pâte elle est un peu plus fraîche. On mettra un petit peu de farine pour former les graissins. Ça je vais mettre au frais, je vais mettre là. Alors ça je range. Ça je vais en avoir besoin là. Le concombre il va au frigo. En plus j'ai passé le panier, je vous montre bien. Hop. Ça c'est pour le gâteau au chocolat. Et ça. Alors il faut que j'épluche les mailles. Donc j'ai vu la technique. Ah, attendez, normalement c'est comme ça. Et normalement c'est facile à éplucher. Bon, j'ai peut-être pas assez de force. plus vite, arrête. Et normalement ça, voilà, ça s'épluche tout seul. Ouais, alors attendez. Plutôt que quand je galère. Ah ben oui, ça s'épluche tout seul. Nickel. Donc ça j'ai appris la technique, c'était en regardant qui. C'est pas le roi du kebab. En regardant Steve Cardi Sébastien Cardinal, faut que j'arrête avec Steve. Hop là. Bon, on va peut-être essayer avec un couteau. Je crois qu'il le fait avec un couteau en fait. Il a placé avec le couteau. Voilà. Voilà. Non, non, t'inquiète. On va éviter de balancer les trucs par terre. Non, non, aujourd'hui on va faire sérieux. Hop. Donc là, c'est bon, j'ai mes deux gousses d'ail. On va juste enlever ça. Est-ce qu'elles ont germé? Je suis désolée, je fais ça à la barbare. Non, elles n'ont pas germé. Donc nickel. Et on va faire un petit point vaisselle. Donc les oignons, soit vous les faites soit en long, soit en petit dé. En petit dé, c'est vrai qu'on les sentira un peu moins. Mais bon, moi j'aime bien. Voyez, c'est cuit. Appuie avec le. Ouais, c'est ça, avec le plat de la lame du couteau. J'ai compris après. Ouais, grave. Du coup, le point vaisselle, il va être rapide. Et après, on fait le petit graissin. Le tzatziki, ça sera hyper rapide, vous allez voir. On va tout mélanger. C'est fantastique. Non, je savais pas ça, gastro, ouais.
J'apprends plein de choses, je t'ai dit là, depuis que je suis avec vous là, j'apprends plein de choses. Et du coup, ouais, ça m'incite à aller regarder des vidéos de d'autres personnes. Mais ça prend du temps quoi. C'est du travail quoi. Bon, on va continuer à s'améliorer hein, du coup, hein. Vu que je vais pas m'arrêter. Je vais encore apprendre plein de trucs. Bon bah du coup vous n'avez pas idée mais j'attends demain après-midi avec impatience là pour savoir ce qu'on va nous dire. Moi je trouve pas ça très cool, elle aurait pu. Enfin voilà. Bref, donc pour ceux qui ne savent pas, donc demain après-midi, réunion avec toute l'équipe, donc parce que je suis maîtresse. Et donc du coup en fait on va nous dire ce qui se passe pour la rentrée. Et donc la directrice de l'école, elle a eu la réunion jeudi. Mais du coup elle nous a dit on verra ça lundi. J'aurais bien voulu en fait savoir. Bon, c'est pas grave. Donc ouais, j'attends demain après-midi avec impatience. Ouais, en plus j'aime bien faire ça. Bah c'est ça en fait, c'est que c'est plaisant en fait, c'est rester à la maison, j'espère. Ok. Donc les oignons c'est bon. Maintenant on va mettre la viande hachée. Donc les oignons, il faut juste qu'ils soient un petit peu, vous savez, un peu translucides. Moi ils ont cramé. Mais voilà, si vous maîtrisez vos plats et tout, ça devrait être bien. Donc là, il y a à peu près 350 grammes de viande. Voilà, c'est le stock de. Hop. Donc c'est parti, on met la viande. Du coup, elle était congelée, donc on va voir si elle rend pas trop d'eau. Et en fait, je suis curieuse, c'est vraiment au goût, si on sent vraiment le goût du steak haché. Parce que c'est le boucher qui m'avait dit qu'il fallait pas congeler des viandes rouges. Bon, ce que je trouve logique en fait, hein. Attends la deuxième vague, ouais, bah. Je sais pas, je sais pas, je sais pas. Et donc apparemment, il serait question que ce soit pas que les CP et CM2 qui rentrent. Ça ferait tous les niveaux. Donc du coup, je pense qu'on va se diriger vers des classes multiniveaux. On verra demain. Hey, je vous dirai ça en stream. Du coup, mardi, on va se motiver peut-être pour le sport quand même. Hein, les gars? Hein, on va se motiver. Voilà, donc on la laisse cuire. Donc vous la laissez cuire 5 minutes en fait. Il faut juste que, voilà, qu'elle soit à peine rosée. Parce qu'après, elle va encore macérer dans la sauce tomate et tout. Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit? Miaou? Tant que ces crétins qui sont en haut ne font pas full test sur tout le monde. Bah c'est ça, c'est que je comprends pas en fait. Je comprends pas qu'on ne soit pas testé. Enfin, je m'étonne, les parents qui flippent, qui veulent pas mettre leur gosse. Ouais, c'est ça, c'est. Ouais, je pense, Doom. Ouais, garderie, exactement. Nous, ils parlent de pas réouvrir avant septembre. Ah, dans ta ville. Après, ça va être à la décision des maires, tu sais. Et bah, ouais, ça dépend aussi des zones rouges et vertes. Ah oui, toi, pa oui, toi pareil, le maire de. Oui, c'est vrai. Lui, il a dit qu'il réouvrirait pas. Mais moi, je vous avoue que je suis sûre que comme on est ouais, dans un quartier un peu défavorisé. Ouais, je sais pas. Pour soulager les parents, je. Voilà. Ouais, il n'y a pas les piscines, oui. Ah bah oui, les piscines. Les piscines, oui. Et pas la rentrée? Ah bah du coup, ouais, en fait, vous aurez que des adultes hein, et pas les enfants. Ok, donc du coup, là, c'est bon, on retrouve un petit peu d'ordre. Nous allons faire les graissins. Donc je vais prendre ma grande. Voilà. Tu vas voir, ça va être de la moussaka allégée, j'ai enlevé la béchamel. Comme ça, il n'y a pas de beurre, il n'y a pas de farine, il n'y a pas de glucides en plus. Mais normalement, enfin, elle est très bonne. Hein. Ouais, c'est ça, c'est juste la base de la moussaka. Bah ouais, voilà, c'est ça. Et donc, du coup, en fait, il n'y a pas du tout de gras. La viande, c'est 5%. Viande, 5%.
Oignon, ail, sauce tomate, le poulet. Donc dans 100 grammes, il y a à peine 27 calories. Donc voilà, c'est très healthy, on va dire. Et on peut garder les gens enfermés pendant. Alors attends. En même temps, la piscine. Ah, attends. On peut pas garder les gens enfermés. Ouais, pendant plusieurs mois, ouais, tu m'étonnes. Mais je pense qu'il y en a psychologiquement, ça doit être dur, hein. Ça doit être vraiment très très dur. Voilà, du coup, finalement, on était ensemble, hein. Enfin, donc du coup, c'est vrai que le confinement, il était plus sympa à supporter. Ouais. En échangeant, quoi. Ok, donc là, on est bien. Donc la viande, ouais, on la fait pas trop. Il faut juste qu'elle soit un tout petit peu rosée. Bah, vous voyez pas, je suis désolée. Bientôt, vous verrez bientôt. Peut-être pas ce qui se passe dans la poêle. Vous verrez ce qui se passe au-dessus de la planche. Ouais, c'est ça, on échange, exactement. Bah, et du coup, ça égaye quand même ça égaye la journée, quoi. C'est trop bien. On va prendre un petit peu de farine. Et là, on va prendre la farine d'épeautre. Et nous allons rouler. J'aime quand c'est bien gras, bien beurré, bien crémeux. Alors, Micheline, ce que je te propose, c'est que. Donc, au début, pour faire cuire les oignons, tu mets ton huile. Comme ça sera bien gras. Les aubergines. En fait, du coup, normalement, en fait, tu sais, il faut laquer les tranches d'aubergines d'huile d'olive. J'ai pas du tout laqué. Donc, moi, mes tranches d'aubergines, elles sont comme ça. Elles sont toutes blanches. On les a déjà fait chauffer. Voilà. Donc, du coup, il n'y a vraiment pas de gras. Mais normalement, ça devrait être très bon. Mais t'as raison, hein. Le gras, c'est trop bon. Après, c'est pas le confinement, c'est le lieu où t'es confiné qui peut te rendre dingue. Ah, ça, effectivement, oui, je suis d'accord. Et avec qui t'es confiné aussi? T'imagines? Alors, on y va pour le premier. Bon, ça colle encore, hein. C'est pas grave, on va mettre un petit peu de farine. Donc, on se mouille les mains, ça va être plus facile pour rouler. Avec qui, ouais? Bah, ouais, c'est clair, hein. Je sais faire une moussaka, merci, quand. Ah mince, mais non, Ichine, c'était pas pour te donner une leçon de. Loin de moi de vouloir te donner une leçon de cuisine. Je te disais juste en fait que moi j'avais pas mis de matière grasse. Hop. Donc non. Non. On a bien vu hier hein, d'ailleurs. Hein. Alors du coup, premier graissin. Ok. Bon, bah, ils vont être plutôt grands. Donc on peut les faire torser. Oh, bah, on va les faire. Non, on va les laisser comme ça. En fait, on va pas. Hop là. Bon, ils sont grands. Ouais. Ok, on continue. Donc là, du coup, ma viande, elle est juste à peine rosée. C'est bon, ça fait 5 minutes. Là, je vais mettre ma sauce tomate. Hop. De manière à ce que ça recouvre. Et après, je vais baisser le feu et on va laisser une vingtaine de minutes. Voilà, donc nous allons écraser notre ail. Je vais mettre mon petit thym. Ah, tu me taquines. Alors. Ouais, t'inquiète. Hein. Bon, tu sais, faut y aller un peu vexé, franchement. Vas-y, taquine-moi. Très très bien. Ah oui, c'est vrai que toi, t'as l'aquaponie Castro. Hop là. Et donc du coup, ouais, CAP, ouais, CAP. Et ben là, du coup, hier, on discutait, peut-être regarder pour le CAP boulangerie, j'aimerais bien. Parce qu'au final, je crois que, ouais, je me rends compte que la pâtisserie, c'est pas forcément ce que je préfère. C'est vraiment le pain. En fait, tout ce qu'on peut faire avec le pain. Du coup, on continue. Hop, on va sortir une plaque, comme ça, elle va pas être chaude. Et on va mettre nos graissins. Hop, papier soufflé. Ah non, tu peux la torcher. Alors attends, moi je suis prof de natation pour les grenouilles. pour la pose de grenouille. Ouais, bah, c'est pour ça, ouais, je commence à me renseigner. Et du coup, tu sais, je voudrais vraiment. En fait, j'aimerais bien. C'est des pains burgers. Là. Je sais pas pourquoi je fais une fixette, mais ça se trouve, je vais changer hein, d'ici un mois. Vous allez voir, je vais faire une fixette sur autre chose. Mais ouais, j'aimerais bien. Des pains burgers veggie. Et protéinés en fait. Non, c'est surtout des pains burgers protéinés que je veux réussir à faire. Et ces farines là, elles sont dures à travailler. Donc du coup. Mais
bon, on va continuer les tests, hein. On va continuer les tests. Du coup, ma farine, elle est là. Et après, je vais mettre du gros sel. Vous savez qu'on va enfoncer un petit peu, comme ça, on aura un petit peu de goût. Et hop. Et dedans, on a des graines de courge. Quand on va croquer, ça va être bon. Ah mais on partait sur l'ail, il faut que j'écrase l'ail. Attendez, il faut que j'écrase l'ail. C'est juste la pratique pendant le confinement, tu devais. Ah ouais, donc tu devais quand même le faire. Il y a un concept. Ouais, 60-40, ouais, je suis d'accord. Alors, attendez, j'écrase mon ail, je vais mettre mes épices. Et on va regarder ce dans le four. Ouais. Donc là, je baisse. On va laisser un petit quart d'heure. Donc j'ai mis mon thym et je vais remettre des épices sèches. Hop là. Ok. Voilà. Donc du coup. J'ai mal vu. Alors, encore une fois. Ouais, alors attends. Le classique, il filme. Ouais, je suis désolée, tu viens. Hier, c'était un peu le. Ouais, c'était la même chose. Attendez, je remonte le chat. Pourtant, j'ai fait mon chat beaucoup plus grand. Ouais, non, je lâcherai pas le truc gastro, ça c'est sûr. Donc là, en fait, ça y est, je suis remontée. Et c'est juste la pratique, là, pendant le confinement, tu devrais aller faire un stage. Ah, je devrais aller faire un stage et du coup, tu penses qu'ils m'acceptent même si j'ai pas de formation ni rien du tout? Faudrait que j'essaye dans une chaîne de restaurants de burgers, comme ça, en fait, j'ai leur. Vous savez, j'ai leur secret. Mais je sais pas s'ils me prendraient en fait. Ou alors je fais vendeuse comme ça. Ouais, donc c'est bon, Ishin, là, je pense que je suis bon. Hein. Ouais, je vais demander. Bah ouais, c'est clair. Alors on y va. C'est ouais, un petit. Ça peut être sympa. Je regarde pour cet été. Ok, donc au niveau des épices, hein, vous y allez. Moi j'ai mis origan et thym. Ouais, pas vendeuse, peut-être que j'aurais pas le secret. Mais parce qu'en fait, si vous voulez, le pain burger classique avec la farine blanche, c'est bon. Enfin, voilà, je sais faire. J'avais déjà fait un. Vous savez, j'ai fait des mini burgers. J'avais fait des. Mais pas avec vous en fait. C'était. C'était pour quand? C'était pour Halloween l'an dernier. J'avais fait des mini burgers en fait. C'était. Voilà, le pain il est moelleux, mais dedans il y a du beurre. Enfin voilà, il y a le lait, il y a tout. Donc ça, oui, ça va. Mais moi, c'est vraiment avec ces farines là. Ces farines protéinées. Et veggie aussi, ça peut être pas mal. Hein, parce que veggie, en fait, on se rend compte que. Bah, ça, c'est bon en fait. Même s'il n'y a pas de graisse ou des choses comme ça, c'est trop bon. Ok, bah tu sais, en plus je pense que je serai prête en fait à ce qu'il me paye pas en fait. Juste que je sois là pour aider et pour voir comment il fait. Ouais, c'est une très bonne idée. Très très bonne idée. Ouais, c'est ça, voilà. Sans contravention, sinon c'est chiant vu que tu as déjà un emploi. Ah, d'accord, ok. Attends. Ah oui, parce que c'est vrai que si je suis dans un. Il faudra quand même un contrat en fait. Moi je réfléchis à ça. Je réfléchis. Bon, mes graissons, on va peut-être les faire un petit peu plus fin. Normalement, c'est plus fin. Hein. Hop. Après, on va faire 3 km de long. Ouais, là, c'est. Hop. Hop. Bah, en fait, je vais peut-être les mettre directement sur le papier sucré. Et après, en prendre, ça va être compliqué. Il est où? Il est là. J'ai un peu tapissé tout seul. Il me reste du quinoa. Non, t'as vu? Bon, il y en a par terre, on verra. Je ramasserai après, d'accord? Il m'en reste. Non, pas le clip, s'il vous plaît. Oh là là, c'est juste parce que je fais pas attention à mes gestes, quoi. Bon, il y en a sur le
sol, il y en a juste ici. Là, je vais. Je pense que, ouais, peut-être que le gars de la boulangerie, au bout d'une journée, il dira, vas-y, tu dégages, s'il te plaît. Tu dégages, tu fais attention à rien. Au secours. On attend qu'il va. Alors, on continue. Donc, ça a sonné dans le four. Donc, je récupère mon four. Parce que j'ai vu que c'était bien doré. Hein? Ouais. Donc, du coup, ouais, ça ressemble à ça. Donc là, c'est doux. Hein. Donc, on a mis du miso et de la sauce soja. Et je t'avoue que. Hop, je vais mettre de côté. Je pense que ça va être très bon. Et on va s'activer, on va mettre les graissins. Parce que du coup, le four, hop, marche un peu pour rien. Voilà. Alors, on y va pour le premier. Voilà. Il y a la graine de courge qui dépasse et tout, j'aime bien. Deuxième. Bon, ça a l'air de tenir, hein. Donc je pense que la petite phase au frigo, c'était pas mal, c'était une bonne idée. Bah lui, il est un peu grand, on va le mettre de travers. Le graissin qui fera 3 km. Oh, super, merci Gastro pour la... du miso, what the fuck. Alors en fait, donc sur la tranche d'aubergine, on a mis en fait du miso. Alors c'est du miso blanc. Du coup, Doom, il m'avait dit de mettre... ouais, merci les gars. Du miso noir, mais j'ai fait avec le miso blanc. Et en fait, dessus, on a laqué avec la sauce soja. Voilà, voilà. Et donc, on va goûter après. Et je me dis que si c'est bon, un petit caviar d'aubergine style asiatique, ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal du tout. Hop là. Bon, bah c'est parti. Bon, en tout cas, on aura le test avec la farine de courge. Qui est pas mal. Donc il faudra juste que je double mes quantités au niveau de la farine. Donc c'était 80 g d'épeautre et 20 de pépins de courge. Parce que j'ai mis 20 centilitres. Ouais. Mais 20 centilitres, ça fait beaucoup. Ouais, je crois que c'est ça que j'ai mis en fait. Au lieu des 20 millilitres. Caviar d'aubergine classique, c'est très... Ouais, c'est très bien, mais c'est bien aussi d'avoir des nouvelles saveurs et tout. Comme ça, on découvre plus. Ah, non, non, c'est pas chimique. Hein. T'inquiète pas. Après, ça dépend. Hein. C'est vrai que si on aime les goûts asiatiques ou pas. Mais le miso, en fait, c'est très doux. Et du coup, la sauce soja, tu sais, ça t'apporte un petit goût salé. Après, bah, la sauce soja sucrée, j'en ai pas. Avec la sauce soja sucrée, ça peut être bon aussi. Hop, on y va. Donc, c'est des graissins de la mort. Hein. Ils sont hyper grands. Bon, ça fera joli dans un verre. Ouais, le miso, ça va. Ouais, c'est doux. Emmett Brown, on va. Mais non. Emmett Brown. Bah, enfin, je regarde qui c'est. Tu peux faire un teriyaki ou ce que tu veux. Et tu fais rôtir. Ah, mais ouais, grave, comme pour les. Ouais. Oh, le teriyaki, qu'est-ce que c'est bon. Les boulettes. Des boulettes teriyaki. C'était du porc haché. Oh, c'était bon. C'est des tsukune. Ça s'appelle des tsukune en japonais. Tsukune. Ouais. Ah mais j'ai trop hâte de rentrer et de vous faire les okonomiyaki, là, les takoyaki. J'ai trop hâte. C'est trop bon. Et il y a des champignons aussi, je vous montrerai en fait des champignons, je kiffe. Les shimeji, je sais pas si vous connaissez. Ils ont une forme bizarre et tout. Et McFly, retour vers le futur. Si je connais, retour vers le futur, attends. Bon je veux bien, je suis vieille, mais les classiques, les classiques. Ouais, McFly et Carlito, ouais je connais. Bah là, je les ai suivis, tu sais, dans leur challenge perte de poids. Challenge perte de poids et aussi, bah, on passe le bac. Donc du coup, c'est là où j'ai commencé à connaître. Après, je t'avoue, je regarde pas tout le temps. Hein. Mais ouais, il y a des petits épisodes qui sont pas mal, que j'aime bien. Ils sont drôles. Voilà, donc du coup, je vous montre nos graissins de la mort. Après, c'est vrai, je peux les couper en deux et les refaire encore plus fins et tout. Ouais, bah là, non, au moins, on a de la masse, vous les voyez. Ils vont être énormes. Alors, on part pour un quart d'heure, je pense. Donc là, le but, c'est que ça croustille hein, quand on coupera le graissin. Allez, je range ça. Ça, ça va là. On a de la mâche. Ouais, ça va croustiller. Hein. L'okonomiyaki, alors, t'as juste la farine. Dans l'okonomiyaki, t'as juste la farine qui est un peu... bah, du coup, c'est la farine, tu vois.
Et Brown, c'est une scientifique? Ah, bah ok, bah je regarderai alors. Sinon, pour le reste des ingrédients, en fait, tu mets ce que tu veux. Donc, je vous ferai un okonomiyaki. Oh, c'est trop bon, arrête. Et oui, le côté fat, ça va être la sauce qui est par-dessus. La sauce rouge, là. Ah, qu'est-ce qu'elle est bonne, hein. Bon, on dira qu'on sera dans le menu cheat meal, ok? Parce qu'il y a les takoyaki aussi. Du coup, en fait, dedans, bah, il y a la sauce mayo japonaise. Mais je crois que j'ai un truc que chez Marks & Spencer. Faut que je regarde dans les boutiques asiatiques. Ouais, sauce mayo japonaise. Ou alors que je commande en fait par internet. Je suis pas sûre. Onde Kawasaki Suzuki. C'est les mots japonais, c'est ça? Non, Honda, je connais pas. Oui, Yamaha, je crois que c'est. Et Honda. Donc vous me faites les marques du Japon. Ok, bon bah écoutez, on a lancé les graissins, on va mettre le chrono. 15 minutes. On va monter notre moussaka. Ah non, graissin, 15 minutes. Peut-être mettre 12. On va surveiller quand même. 12. Ok, on va monter notre moussaka parce que je pense que c'est prêt. Ouais, c'est pas mal. Donc du coup, moussaka sans aucune matière grasse, hein, franchement. Et en tout cas, ça sent hyper bon. Hein. Bon, je vends pas mon truc, hein, mais un petit peu quand même. Alors, du coup, j'ai mis les aubergines en dessous. Je vais en mettre encore une petite. Alors, on y va. Voilà, donc du coup, ça donne ça. Ça sent hyper bon. Je vais enlever ça. Et on va monter le moussaka. Bah, je suis en train de me dire que le plat, il est peut-être un peu trop grand parce qu'il n'y aura pas beaucoup d'étages, là. Bon. Bonjour Toruma, elles sont très. Alors attends. Non, pas Honda, c'est totalement. Ah oui, d'accord, c'est totalement Jap. Ok, bon, en marque de voiture, j'y connais rien. J'avais une CBR de la Daube. Ok, bon. Ah, CBR, c'est moto. Bonjour Toruma, Zo 0101. Wesh le gang, qu'est-ce qui se passe? On cuisine un menu pour le dimanche, un menu facile, simple et sans matière grasse. Sans matière grasse, en fait, en tout cas, on limite un minimum et hyper protéiné pour nos petits muscles. Voilà. Ouais, bonjour. Il n'a pas dit bonjour. Du coup, est-ce que j'ai un autre plat? Ouais, on va faire plus petit. Bah, là aussi, je pensais un peu trop plat, quoi. Ouais, mais là, au moins, il y aura de la hauteur. Ouais, bah écoute, on va faire dans celui-ci plutôt. On va avancer après. Tu préfères quand même, hein? J'ai raté le kebab. Oui, t'as raté le kebab hier. Alors, franchement, c'était très folklore. C'était une cata. Mais du coup, on s'en est sorti. À la fin, on avait un beau kebab. C'était bien. Alors, attendez. Kawaii. Toro, c'était hier le kebab. Ah oui, d'accord, oui, c'est ça. Tu préfères quand même un ayabusoa, ça rend mieux que CBR. Ah bah ça, les gars, du coup, je n'y connais rien. Donc, je vous laisse. Il a dit wesh, mais il n'a pas regardé dans les yeux. Tu connais la chanson Bigfoot? Ouais, elle est particulière. Après, il faut vraiment la comprendre. Mais du coup, quand on la comprend, elle est plutôt bien. Donc, kebab, c'est raciste. Kebab, c'est raciste? Non. Du tout. Alors, on y va. Donc là, je vais faire ma première couche. Ouais, en fait, j'aurais pour deux couches. Bon, c'est déjà pas mal, hein. Donc, du coup, ouais, peut-être un plat plus. Bah, ça dépend voilà, les étages que vous voulez. Voilà, donc bien mettre sur les aubergines. Ok. Et du coup, il va pas m'en rester. J'aurais bien voulu trois étages. On termine par les steaks hachés. Je ne mettrai pas de fromage, désolé, mais vous pouvez mettre, hein, si vous voulez mettre du fromage ou par-dessus. Bah, la béchamel, vous pouvez faire la béchamel classique. Donc du coup, fromage matin, j'en ai pris au petit-déj, donc du coup, voilà. J'équilibre dans la journée. Mais oui, vous pourrez terminer, enfin, vous servez et tout, et vous mettez du parmesan, trop bon.
Val, c'est un génie. Ah oui, donc t'es d'accord, Ishin, que Val. Ouais, moi aussi, je trouve bien. Franchement, Toromazo, t'es turc, pour le coup, faut vraiment que tu vois la rediff d'hier. Alors, tout sûr, parce que le pain kebab, c'est pas sûr que. Enfin, ça a été inventé en Allemagne, oui, par un germano-turc. Hein. Donc, c'est pas un turc à 100%. Hein. Non, par contre, oignon, c'est pas bien. Pourquoi c'est pas bien, oignon? C'est trop bon! C'est trop bon! Ouais, oignon, il fallait oignon rouge, je crois. Moi, j'avais que de l'oignon blanc. Tarkan, Tarkan, Tarkan. Je crois que je connais. Il n'est pas ressorti dernièrement, Tarkan. Donc, Val, c'est bonjour. Il a dit bonjour, c'est ça. Comme il a dit wesh. Il a dit le kebab, c'était hier, pas moi. Non, mais les gars. Alors, Tarkan. Donc, c'est Tarkan, c'est bien ça, hein, gastro. Hein. Alors, à qui Tarkan, c'est de la haute musique. Ouais, je crois que je connais. Ouais, les références gastro. Avec Kassav et tout. Oh là là. Ouais, et du coup, là, c'est. Ah, bah, tu vois, regardez. Lui, il n'a pas cuit. Et en plus, c'est un petit germe. Donc, très bien, on l'enlève. Ok. Bon, bah, très bien, je finis par ma. Voilà, donc après, si vous voulez rendre ça plus joli. Du coup, ouais, j'en ai même pas assez. Donc, mon plat est vraiment trop grand. Hein. Bon, c'est pas grave. C'est pour la maison. Et normalement, vous finissez avec une béchamel qui va venir tout recouvrir. Et après, ça va griller et tout. Mais la béchamel, il y a du beurre. Donc, on ne le fait pas. Voilà. Ok, bah écoutez, on est bon. On va mettre ça en cuisson pendant 20 minutes. Ouais, mais non, parce que j'ai pas de place. Je vais allumer l'autre four. Ok, bon, on va le mettre de côté tant que le four s'allume. Et puis, on va faire le petit point vaisselle. M'arrêter avec les. Attendez. Ok, 45 et Rafi mort de rire. Mais non. Et moi aussi, je crois que je connais, hein, sans déconner. Tarkan. Ah non, mais mon Dieu. Oui, je crois que je connais. Vous savez, dans les hits années 90, années je sais pas trop quoi et tout. Donc je crois qu'il est passé par là. Il me semble. Tarkan. Hein. C'est particulier. Après, Vald, je pense qu'il est plutôt. Il est hyper équilibré comme mec. Hein. Et Val et Tarkan, c'est streamé parfait. Tu m'étonnes s'ils savaient les deux. Donc Tarkan, je pense qu'il serait ravi, mais en Val, je ne sais pas. Et puis la chanson qu'il a écrite pour son fils et tout, elle est trop bien. Non, non, Val, il est vraiment. Ouais. Ses musiques sont vraiment bien. Et alors, ma meilleure amie. Hein. Alors, ma meilleure amie, c'est double lecture, quoi. Ouais, on parle du même Tarkan. Si, je crois que c'est le. Si, si, c'est celui qui chante ma meilleure amie et. Attends, c'est quoi l'autre? Et celle qu'il a écrite pour son fils. Alors, je confonds. Non, non, c'est Val, je suis d'accord. Ouais, pété de rire. Non, mais c'est bon, je crois que c'est ça, non? Et la meilleure amie, il faut comprendre qui c'est, quoi. Deviens génial. Ah, oh, merci Bigfoot. Cool, vous êtes cool, les gars, parce qu'à chaque fois que vous venez à ma rescousse, donc c'est Jean-Michel à peu près, je suis là. Mais voilà, j'ai retenu quand même ma meilleure amie. Hein. Oh, bonjour Cafard. Tous les placards sont ouverts, t'as raison en plus. Il a fait des dingueries de. Ouais, je suis d'accord. Ouais, ouais, mais. Donc c'est bon, c'est le bon Vlad hein, que je connais, hein, on est d'accord. Ma rêve, c'est Rachita. Oh, Rachita! Non, mais Doom! Ouais, c'est années 80, ça, non? Rachita! Cafard, t'as raté, ouais. Ah, t'as un diamant, ouais. C'est VIP! Ouais, bah oui, quand même! Bah après je lui ai cramé son durum hier donc du coup voilà. Eh
Allez, tu connais Selfie? Selfie. Attends, c'est de, toujours de. Selfie, je crois pas. Je suis pas sûre. C'est passé quoi cette nuit? Il y a eu du travail, j'ai fait du travail hier. Selfie, je crois que ça me dit quelque chose. Mais tu vois moins que les autres. Il me faudrait l'air en fait. Mais ouais, du coup, ouais, je trouve que c'est quand même ouais, c'est top. Et du coup, pour la référence, Doom, Rachita. Wow. Sinon, dans les Rachita, il y avait aussi, comment il s'appelle Il y avait Khaled, non? Ils n'étaient pas potes. Rachita, répondent. Ah bah non, je connais pas. Mince. Donc, ouais, moi, je suis complètement à l'ouest. Selfie, le troisième clip, il n'est pas sur YouTube pour des raisons évidentes. Ah, si, je crois que je vois. Selfie, c'est avec. Comment elle s'appelle elle est géniale, cette actrice. Attends. Bon, désolé, là, on va tourner le stream va arrêter, va tourner un peu. Comment elle s'appelle l'actrice? Nikita Bellucci, exactement. Et elle a fait un. Donc, elle joue dans le clip de. Ouais, mais grave. Elle joue dans le clip de Angèle aussi. Dans Balance ton quoi, je crois. Et du coup. Et elle a fait passer un message qui était vraiment bien. Moi, je trouve ça vraiment bien pour les jeunes, en fait. Bah, qu'il fallait. En fait, ils étaient trop tôt. Ouais, c'est une actrice porno, exactement. Ouais. Et son message, en fait, c'était, elle disait en fait, aux parents de faire attention, en fait, de surveiller leurs enfants au niveau d'Internet, parce qu'ils étaient trop tôt mis en face de choses qu'ils connaissent pas, en fait. Et donc, du coup, voilà, elle a posté ce message-là, et moi, j'ai trouvé ça génial, parce que vous savez qu'en CE1, ils savent tous, voilà, ils ont 7 ans, mais les gamins, ils savent tout, hein, les 1. Donc, voilà. Et donc, du coup, voilà, son message, j'ai trouvé génial. Ouais, allez faire un bisou à Cafard. Qu'est-ce qu'il a, Cafard? Je sais que tu es content pour. Viens, on se fait un câlin. Et chez de mamie, ouais, t'as raison, Doom. Ouais, exactement. Ouais. Exactement. Donc, ouais, du coup, cette actrice, bah, là, bah, c'est comme ça que j'ai su, en fait, que je l'ai connue et tout. Et ouais, son message était vraiment bien. Donc, je connais comment ça. Donc, le clip, ouais, je le connais alors. Donc, le clip, c'est. Selfie, ouais, selfie. Et il est en deux parties. Bon, ça va, je reste encore. 3. Ah bah, je crois qu'il manque une partie alors. Chiquita. Je suis aussi là. Alors, conclusion, Val, c'est un fou furieux et en fait d'autres dédains. Ouais, franchement, ouais, il est top. Et Faudel, ouais, exactement. Rien, les gars. Ouais, c'est cool, je me rends compte que j'ai la culture G. Attendez, c'est le point où je me la pète. Hein. Culture G pour pouvoir discuter avec tout le monde. Entre Faudel et tout ça, quoi. Et Vald, et McFly. Ouais, j'essaye de me renseigner quand même. Puis quand on a des gamins et tout, on essaye aussi de regarder, enfin de se renseigner bah, sur ce qu'ils font. Par exemple, les Pokémon aussi, j'ai dû m'y mettre un petit peu parce qu'ils aiment bien les Pokémon. J'ai dû me mettre aussi Squeezie. Je ne connaissais pas. Donc, du coup, c'est mes élèves qui m'ont appris Squeezie. Donc, ouais, en fait, voilà. Et Colonel Rayel. Attention, Big à tes propos. Alors, attention. Faudel, l'encarté UMP. Ouais. Sujet compliqué. Ali Farka Touré. Non, ça ne me dit rien, ça. Alors, on va regarder les Graissins, du coup. Ali Farka Touré. Non, ça ne me dit rien. Ok, donc comme ils sont gros, on va encore laisser. Ouais, ils sont beaux, hein. Après, je crois qu'ils durcissent quand ils sortent. On va laisser encore juste 3-4 minutes. Comme je ne les ai pas fait hyper fin. Ouais, 3-4 minutes. 3 minutes. Voilà. Je suis organisée aujourd'hui. Hein. Alors, du coup, si Gastro est le roi, Foudal, c'est le petit prince du rail. Donc, c'est Doom, le petit prince. Hein. Du coup, on va mettre. Bah non. Si, là-haut, c'est bon. Alors, on va mettre ça là-haut. J'ai pas de gris. Alors, la moussaka, on est parti pour 20 minutes. Attention. Voilà. Hop. Voilà, comme ça, il y a tout qui en chauffe. Chauffe, chauffe.
Du coup, on va préparer notre appareil pour le gâteau au chocolat qui ira au four une fois qu'il y aura les graissins qui sont terminés. Et on terminera par notre petite tzatziki, notre salade vitaminée. C'est plus du rail, mais c'est bon à écouter. Donc, Doom égale Fonel, c'est QFD. Donc, Doom, je sais pas si t'es content, mais voilà. Ok, alors du coup, on y va pour le gâteau au chocolat. Donc, le gâteau au chocolat, donc, il va être à base de skyr. Du coup, là, je vais pouvoir mettre un œuf, comme on n'est pas en veggie. Alors, on y va. Donc, petite publicité pour mon chocolat noir, donc qui est très bon avec du café. Donc, même s'il est à 95%, il n'a pas le goût du chocolat noir noir. Il est vraiment bien. Du coup, on va rajouter un petit peu de sucre. Comme ça, c'est pas sucré. Il y a plus de matière grasse, mais bonne matière grasse. Donc, on va le faire fondre. Hop, 50 grammes. Et on est parti. Donc. Je vous rappelle que mon micro-ondes est très lent, donc je vais faire plusieurs allers-retours jusqu'au micro-ondes pour éviter de cramer le chocolat. Bon, Fodel, ça va, ça passe encore. Bon, bah ça va alors. Alors, hop. Donc après, je vais mélanger avec du skyr, on va mettre un peu de sucre et de la farine de châtaigne. Voilà, donc on verra ce que ça donne. Je vous avoue que je n'en sais rien. Et par contre, on surveillera la cuisson. Je mettrai 10 minutes, voir si on peut pas réussir à obtenir un petit fondant ou un petit quelque chose. Ah, je te le dis. Ok. Donc c'est parti. Donc là, j'ai un carré. Ça fait combien de grammes? Ouais, alors, je vais en mettre un cinquième. Ah, Gastron a récupéré un ingrédient. Et bim, putain. Alors, j'ai déjà l'oignon rouge. Choisir. Bon, le rutabaga, c'était une bonne idée. Suspense, grave. Non, mais au secours. Hop, 450 pour pas que ça crame. On y va. Allez, on avance le chocolat et on va préparer l'appareil. Il faut un bol. Donc, on part sur un pot de skyr, 140 grammes. Donc, du coup, on aura 140 grammes, mais c'est pas, hein. Nous aurons nos protéines, un gâteau chocolat protéiné. Donc nous sommes toujours à 14 grammes de protéines dans ce joli petit pot. Noix de Saint-Jacques. Ah yes, ok, ça me va. Noix de Saint-Jacques, ok. Cool, ça va, c'est pas trop dur. Et donc noix de Saint-Jacques, on fera poêlé, cru. Ouais, je fais tout. Poêlé, cru. En plus, il y a une recette que j'ai déjà faite avec la noix de Saint-Jacques. Donc du coup, c'est un peu facilité pour moi, c'est cool. En plus, elle est trop bonne quand je vous la fasse. Allez, on continue. Ok, bon, cool. Très bien. En plus, c'est trop bon. Ouais, je suis d'accord. Un peu de poisson, c'est vrai qu'on n'a pas eu beaucoup, hein. Et en fait, en plus, ils restent, ils sont dans le congé. Hein. Peut-être pas aller manger là, cette semaine. Et c'est vrai qu'au niveau du poisson, j'ai un peu de mal en fait. À part me dire le foutre au four en papillote, c'est vrai que je sais pas le travailler. Alors, donc là, on part. Donc là, je déforme mon skyr. On va mettre la farine. On va déjà mettre les produits secs d'un côté et après on mélange. Donc, farine de châtaigne. Oh. C'est utile la farine en fait. Est-ce que c'est utile que je mette de la farine? Et en plus, ça peut faire un dessert glacé. Alors attendez, je réfléchis. Parce que je vais mettre le chocolat dedans, je mets un petit peu de sucre, je mets pas l'œuf, je mets pas le bicarbonate et du coup, ça nous fait un gâteau chocolat glacé. Bon, ouais, ça me tente bien. On va le mettre un petit peu au congélateur.
Le poisson à la japonaise avec... Alors, attends. Ouais, c'est ok pour moi, gastro. Hein. On part sur sur les noix de Saint-Jacques. Ouais, nickel. Le poisson à la japonaise avec le soja. Ah, je connais pas. Tu préfères le poisson que la viande? Ok. Ouais, moi, c'est parce que, tu sais, c'est des techniques et tout. Je sais pas. À part, tu vois, en... mince, en sushi, tout ça, coupé là, oui. Bon, là, c'est cru, hein, c'est pas cuit. Mais après, j'ai l'impression aussi, il y a quand même la réoka après tout. Ça, c'est des trucs qui sont hyper bons. Mais c'est vrai, je cuisine peu. Ok, donc le chocolat, on va le remettre encore un petit peu. Bon, je me tâte, est-ce que je fais gâteau? Bon, allez, je pars sur mon gâteau, on verra ce que ça donne. Mais sinon, il y a l'idée du gâteau glacé au chocolat, ça peut être pas mal. Hop là, allez, on va garder les mêmes ingrédients. Ok, alors donc on va prendre notre sucre complet et notre farine de châtaigne. C'est parti. Ouais, toi c'était la note hier soir. si, non, j'avais fait un menu brésilien, j'avais fait une vatapa, c'était à base de crevettes et de lieu noir, ça c'était très bon. J'aurais pu dire aigre fin. Ah oui, aussi, ouais. Non, c'est pas un truc compliqué, ça va. Je pense que les notes Saint-Jacques, je vais m'en sortir. Ok, et bon. Et je vais sortir mes graissins. Et du coup, ça a bien une bonne vingtaine de minutes. Venez ici, mes cocos. Ouais, ils sont beaux là. Ouais, nickel. Hop là. Donc regardez comme ils sont beaux. Je vais les laisser refroidir. Et du coup, j'ai pas mis le sel. Bon, c'est pas grave. On va les laisser refroidir. Et on va lancer le gâteau choco. Alors, 20 grammes de farine. On y va. Wouhou. Et du coup, sardines, anchois. Ouais, sardines, anchois, moi je kiffe, c'est des filets de maquereau. Alors laisse tomber celui-ci. Je kiffe. Et en plus, bon, c'est au naturel, hein, et ils sont juste trop bons. Je te mange la boîte juste en apéritif, c'est juste trop bon. Et pareil, la sardine, ouais. Bah toi, c'est la sardine millésimée, moi je connais pas. Mais du coup, ouais, moi je kiffe. Enfin, je kiffe ça, mais du coup, tu vois, je sais pas les cuisiner. Par contre, j'aimerais bien apprendre à faire des sortes de hummus. Quand bah, tu sais, à tremper, à prendre avec un espèce de cracker, c'est tout. Donc, ouais, ça, il faudrait que que je m'y mette un petit peu. Ouais, je suis d'accord. C'est trop bon. Ouais, ça, j'avoue, ouais, c'est trop bon. Mais du coup, je prends pas ça. Vous avez vu, j'ai pas pris celui à l'huile d'olive. Il y en a plein, il y a plein de goûts et tout. Alors, 10, 20 grammes. C'est bon, on y est. Hop, farine de châtaigne. On part sur 20 grammes. Bah, on est bon en fait. 20 grammes, on va mélanger. Le fouet. Et du coup, on va venir mettre. Donc, on a mis notre sucre. Je vais mettre juste un petit peu de bicarbonate. Du coup, comme on fait un gâteau, j'aimerais bien que, voilà, qu'il soit un petit peu haut quand même. Donc, on va mettre juste. Hop là, ouais, j'en ai mis quoi. Hop là, Jean-Michel à peu près. Mais normalement, c'est une cuillère à café. Hein. Super bon pour la santé. Ouais, c'est rempli d'oméga 3. Et les oméga 3, du coup, on les trouve très difficilement. Et dans la boîte de sardines, ouais, c'est bourré de ça. Et donc, du coup, il faut en manger au moins une fois par semaine. Ça, c'est bien. Et pour la mémoire aussi. Je ne me souviens plus. Ouais, bah, ils sont pollués par le plastique. Oui, je suis d'accord. Après, il faut voir. Ouais, c'est vrai. Mais tous nos animaux, hein, de toute façon, hein, comment vous dire. Merci à l'homme, quoi. Mais qu'est-ce que je kiffe, là, de revoir. Vous savez, quand ils montraient au début du confinement, bah, les animaux qui sortaient, en fait, qui reprenaient un peu la place, en fait, des humains. Oh là là, j'ai kiffé cette image. Ok, donc ça, c'est bon. Donc je suis là, mon chocolat. Il reste encore. Allez, on va remettre 30 secondes et je pense qu'on sera bon.
Moussaka. Il reste 12 minutes. Très bien, très bien. Malheureusement, oui. Ouais. Ouais. Bah ouais, ouais, tu m'étonnes. Mais surtout, t'es en vacances là. Bah bientôt, tu reprends. Bah tu reprends demain, non? Sais plus si c'est le 11. Non, c'était. Ouais, il me semble que c'était le 4. Allez, c'est bon, on est bon. On est bon, on est bon. Donc du coup, je vais mettre mon skyr dans ma préparation sèche, mon chocolat, et puis après on cassera un œuf et au four. Par contre, on surveillera la cuisson. Alors ça, je vais ranger. Donc du coup, j'ai pas encore testé, hein, mais je testerai avec mon mixeur que j'ai à la maison. Donc normalement, ça se transforme en sucre glace. Donc ça pourrait être un sucre glace voilà, qui est bien pour la santé. Moi aussi, doux, ouais. Ah, qui attrape des gentils poissons rouges. Ah mais du coup, vous devez avoir des hameçons, vous avez des asticots, c'est ça, non? Ah, mais ça me... Et vous les remettez à l'eau, les poissons? Non, vous les mangez. Et du coup, vous... Ah d'accord, ok, vous les gardez pas, vous les mettez à l'eau. Et du coup, ouais, vous avez, je crois que vous m'avez déjà dit ce que vous aviez comme poisson, mais comme je m'y connais pas, du coup ça n'a pas imprimé dans mon cerveau, je crois. Carpe. Ok, après on est bon. Après je récupère la tamarise. Là on va mélanger. Et toi tu les rejettes dans un courbouillon. Excellent. Bon, bah, donc il y a différence entre doom et gastro, alors. Ok, donc du coup, là on est bon. Je vais mettre mon chocolat. On va récupérer la marine. Hop là. Et il nage bien. Ouais, je pense qu'en fait, il... il tombe... Ouais. Non, moi c'est la scène des, vous savez, des homards qui sont cuits vivants là. Oh mon dieu, ça je peux pas en fait. Bon, on va écouter. Hop, ça a l'air de bien se dessiner pour le gâteau. Gâteau choco protéiné. Nous allons voir ça. Ah, ça ressemble plutôt à une mousse. Mais bon, du coup, comme on a de la farine. On va passer au four. Mais donc ça veut dire que juste avec du sucre, un skyr et du chocolat, peut-être que je peux réussir à faire une espèce de petite mousse au chocolat. Et on l'avait congelé la dernière fois le skyr et ça avait fonctionné. Vous saviez, c'était dans le cheesecake au citron. Ouais, ça avait fonctionné, c'était bien. Carpe, brochet, sciure. Sciure, sans déconner, t'en as déjà pêché un? Et je crois qu'on ne pêche pas les mêmes. Ah d'accord, ok. Ouais, je pense que c'est en fonction des régions, non? Je n'ai pas fait la blague de la pêche au thon. Ou au morue. Tu m'étonnes. Ah, trop bonne la blague. Des petits Saint-Marcelin. Ah oui, c'est bon ça. Ah ouais, j'avoue. Ouais, c'est trop bon. Bah là, j'attends de retourner et tout, de me faire un bête de plateau de fromage. Donc pareil, en fait, ça va faire partie. J'ai trop de cheat meal là que je veux faire. Un bête de plateau de fromage. Mmh. Avec du comté 36, enfin je crois que c'est 30 ou 36, je sais plus, mais le plus vieux qui existe, oh là là, j'ai trop hâte. Il n'y a pas en fait, là au supermarché j'ai vu que 9 mois, et c'est moins bon. 42, le plus grand, ah ouais, j'ai pas, ouais, bah tu vois moi le max, ouais je crois que c'était 36, oh là là, pouf, qu'est-ce que c'est bon. Alors 42, j'ai jamais goûté, et en fait c'est arrivé par hasard dans un restaurant. Donc en dessert j'avais pris plateau de fromage et c'est débile hein, parce qu'en fait les pâtes dures ça n'a jamais été mon truc. Ah ok, bon, alors quand c'est du parmesan là ça m'intéresse, j'aime bien le parmesan mais du coup moi c'est les petites bifes, tu sais, qui craquent sous la dent dans le comté que je kiffe. Et donc du coup il avait servi un morceau de ça et j'avais demandé au gars ce que c'était et voilà. Et donc depuis j'ai découvert le comté, donc c'était un 30 je crois, un 30 mois. Voilà, j'ai découvert les petites, enfin voilà.
que le fromage pouvait croustiller sous la dent et j'ai kiffé. Ouais, donc ouais, ça c'est les prochains cuisines post déconfinement. Ça marche là aussi, ouais, c'est bon ça. Bon, bah du coup, ça fait vraiment une mousse. Hein. On va peut-être mettre l'œuf et hop, on lance en cuisson. Donc j'ai pris ce petit moule. Donc, ouais, à chaque fois, je fais des petites quantités hein, pour pas trop grossir. Un œuf, un œuf, un œuf. Où est mon œuf? Il me semblait que j'en avais sorti un. Hein. Ah oui, il est là. Donc voilà, donc je rappelle qu'on essaie de le prendre bio quand même pour qu'il puisse un petit peu aller à l'extérieur. Donc 2, il est au sol et 3, il est en cage. Hein, donc pauvre petite poule. Alors qu'elle nous sert bien, les petites poules. 0, c'est de best. 1, c'est un peu moins bien, mais voilà. Voilà, donc là, c'était le moment. Voilà, le moment petite. Ah. Du coup, ça ne veut pas sortir. Allez, ça, maintenant il y a du liquide là. Peut-être mettre un peu de lait pour détendre. C'est bon, hop là. Allez, on va y arriver. Eh, ça fait vraiment une mousse au chocolat. Bon, bah écoutez, très bien, hein. On va voir. Et ça sent super bon. Goûte, ouais, mais c'est pas cuit en fait. T'as fait un gâteau, ouais, oui, c'est un gâteau au choco et ça ressemble à une mousse au chocolat. Je suis d'accord, mais du coup, comme j'ai mis, tu sais, l'œuf et la farine, je vais être obligée de le passer au four. C'est super bon. Oh, bah écoutez, je suis contente. Du coup, voilà, c'est protéiné, donc c'est juste nickel. Ouais, je pense au fondant, on va voir. Mais je pense que c'est pas assez liquide, mais je vais laisser 10 minutes, pas plus, pour que, voilà, on va voir ce que ça donne. Est-ce que je mets dans ce plat là? Pas terrible ça. Démouler, ça va pas être terrible. Alors, je vais mettre plutôt là-dedans. En fait, là, pour démouler, ça va pas être terrible, donc du coup, je vais faire des portions individuelles. Hop. Donc, papier sulfure, la petite planche. Faire du LC mais taper dans les gamelles. Chut. Normalement je tape pas. Normalement c'est. Mais attends, regarde, j'ai pas tout. J'ai juste goûté avec le bout de la langue. Normalement je. T'as vu? Même le truc de chocolat, en fait, je l'ai rincé direct. Hein. Voilà, c'est pour éviter que les calories. Trop de calories. Mais bien vu. Ah, on reparle du mec qui est passé pour la fosse. Ouais, non, je pense que c'est bon. Je pense que. Vous voulez le petit point fausse? Donc écoutez, tout fonctionne bien. Le petit point fausse sceptique. Et trop génial. Bah si, je vous avais dit qu'il était arrivé en tracteur. Je vous ai dit qu'il arrivait en tracteur. Franchement, j'ai kiffé. Et bah, le gars super gentil. Et ouais, il est arrivé avec son tracteur et tout donc pour, voilà, pour récupérer. Mais ouais, c'est impressionnant parce que du coup, à la ville, en fait, on voit pas ça, quoi. Non, je vois pas le... Oh. Non. Ah, c'est parce qu'on est en cuisine. Bon, c'est pas grave. On est pas... Ah, je crois que je viens de comprendre, c'est le lien avec ça. Ah, merci, ça veut dire que c'est pas joli, c'est ça. Allez, hop. Du coup, on va récupérer la place. Je vais la sortir, on va la laisser derrière. Hop. Ok. Et voilà, on va mettre ça sur papier sulfure. Oh non. Hop. Donc ouais, du coup, il est arrivé en tracteur et ça, c'était juste génial. Alors franchement, j'étais bien contente. Enfin, j'étais pas contente que ça arrive, mais mousse au chocolat post-sceptique, c'est un cadeau. Tu m'étonnes. Je suis désolée les gars. Bon, en tout cas la texture ouais, ça fait vraiment mousse au chocolat. Alors hop. J'ai pas mis de. Ouais, c'est pas grave. Écoute, on va voir.
C'est vrai qu'il n'y a pas de beurre ou il n'y a pas de matière grasse, donc du coup ça risque de coller. Bon, on verra. Je détacherai avec un couteau. On va faire deux beaux gâteaux. C'est fou, hein, ça fait. Bon, je vais m'en remettre, hein. C'est juste que ça fait vraiment une mousse au chocolat, quoi. Bon, bah, revoir les ingrédients, parce que du coup, si ça se finit en mousse choco. Ouais, bon, mais on va voir, on va voir. Ok. Donc, du coup, j'en fais deux beaux. On va venir tasser un petit peu. Donc, là, vous avez vu, quand je suis concentrée, je ne parle plus, je ne dis plus rien. Hop. Voilà. Et on est bon. Voilà. Bah écoutez, on va lancer ça en cuisson. Il y a des morceaux. Non, il n'y a aucun morceau. C'est hyper lisse. Ouais, c'est bien lisse et tout. En fait, ça fait comme des trous. Comme dans la mousse en fait. Comme dans la mousse choco. Hop là, je vous montre. Je sais pas, attendez si vous voyez. Donc du coup, je peux pas l'aplatir. Je vais pas prendre un porte-pièce pour aplatir. Hein. Mais ouais, ça fait comme une mousse choco. C'est trop bizarre. C'est trop chelou. Non, pas de micro-sieste ici, hein, parce que les sujets de conversation, ils changent de ouf. Hein. Allez, c'est parti. Donc du coup, je vais juste mettre 10 minutes et on va surveiller la cuisson au fur et à mesure. Comme ça, on sera bien. Et je crois que la moussaka, elle est prête. Et donc, on va terminer par faire notre salade. Et qu'est-ce qu'on va préparer d'autre? Les pop-corn. Allez, 10 minutes. Donc il reste 1 minute pour la moussaka, donc voilà, je vais annuler et je vais mettre 10 minutes pour le gâteau. Voilà. On est bon, ça je range. Du coup, nous n'avons plus besoin. Si, je vais en mettre dans la salade. Insérer prochain émoticône ici. Hein? C'est quoi? De quoi? Bigfoot, du coup, j'ai pas compris. Insérer prochain émoticône ici. Bah, d'accord, ok. Bon, bah là, du coup, il n'y a pas de grammage ni rien du tout. Donc, ça, je vais le mettre là. Et nous allons passer à notre petite sauce. Ah, mais il y a tzatziki aussi à faire. Alors, attendez. Tzatziki, ça, c'est tzatziki. Tzatziki. Du coup, on va faire notre salade de quinoa. Je la mets là-dedans. Voilà, donc c'est hyper simple. Hein. On va juste couper. Donc, poivron rouge. Oui! Le prochain émoticône, c'est. Attends. C'est quoi? J'ai pas compris. Le prochain émoticône. Bah oui, c'est un pop. Ah oui, d'accord. Donc oui, comme ça, du coup, quand je vous dirai qu'est-ce qu'on va cuisiner, qu'est-ce qu'il restera à faire, vous me direz ben pop-corn. Ok, super. Voilà. Voilà. C'est bon? Je me suis ridiculisée là, c'est bon? Ok. Donc salade vitaminée, donc j'ai écrit vitaminée, comme vous avez des poivrons rouges, on va mettre poivron rouge et poivron vert, et sachez que donc le poivron vert c'est celui qui a le moins de vitamines, mais où il y en a un max, comparé au... dans l'ordre, on va faire citron jaune, vitamine, jamais ridicule, ah merci Bicoute, c'est gentil, on dirait une tortue sur Dobby. Donc du coup dans l'ordre, donc nous avons citron jaune, kiwi, attendez, orange, le moins vitaminé, ensuite c'est le citron jaune, après nous avons le kiwi, poivron vert, le poivron orange et le poivron rouge. Donc le poivron rouge il est hyper vitaminé, donc nous on va faire un mix entre le vert et le rouge, on va faire des petits dés tout simplement. Voilà, donc n'hésitez pas à en faire en bâtonnet aussi pour l'apéro. Du coup, voilà, faites le max, le plein d'un max de vitamines. On ne sait pas. Hein? On ne sait pas, c'est peut-être ça qui a tué Strike. Peut-être, ouais. Et du coup, c'est vrai que ça fait un moment qu'on l'a pas vu. Hein. Hop là. Et donc le tzatziki, bah, ça va être hyper, hop là, hyper rapide. C'est juste la coupe, hein. Il va falloir que je coupe
Est-ce qu'on a de l'oignon? Non, on a que de l'ail. Donc, ah, cool. On n'a pas pris l'échalote. Non, on n'a même pas d'échalote. Donc, c'est bon, on sera bon. Sur cette city, ça va juste revenir en deux temps, trois mouvements. Ok, donc là, on va juste attaquer ça parce que du coup, poivron rouge, il faut qu'on coupe un petit peu. Donc, moi, voilà, j'ai commencé déjà à manger du poivron rouge. Ah, il me reste une tomate. Bon, non. Du coup, poivron vert. On va faire la moitié, hein, moite-moite. Du coup, j'ai déjà fait des. Voilà, j'avais un peu mangé hier soir. Donc voilà, on récupère. Toujours, toujours. Voilà, et donc cru, en fait, vous gardez vraiment toutes les vitamines. Et avec la peau, encore mieux. Mais si vous mangez la peau, hein, du coup, bien. Ok, donc on y va. Je vais me prendre la planche. Donc là, on va juste faire des petits dés. Donc ça, c'est vraiment le genre de petite salade, voilà, pas chère, rapide, et qui sont juste trop bonnes. Bon, après, je sais pas si vous aimez le poivron cru. Après, il faut aimer. Moi, j'aime bien. Et donc, j'ai découvert ça au Canada, en fait. C'est ce qui... Donc à 10h, c'est... Bah oui, mais je vous l'ai déjà dit, en fait, je crois que je me répète. On va peut-être arrêter alors. Donc à 10h, ils avaient des bâtonnets de poivron pour leur petit 10h. Ah, ça. Bah ma poubelle d'étoile, elle est là en plus. Il y a une différence d'un point de vue valeur nutritive suivant la couleur. Alors ça sera juste au niveau des vitamines, ouais, et je crois qu'au niveau du magnésium, en fait le max en fait de ce que tu vas avoir, c'est dans le poivron rouge. Le moins c'est le poivron vert, après tu as le jaune, le orange, et en fait et après dans le goût aussi, tu sais celui-ci il est beaucoup là on va être sur un poivron rouge qui est doux, et là en fait il sera moins doux. Donc genre pour la pizza, tu vois, mais pizza, si je fais merguez, j'utilise... ouais, merci Doom, tu vas revenir à ma rescousse. En fait, si je fais pizza merguez, je vais pas mettre le poivron rouge, je trouve que c'est trop doux. Et avec le poivron vert, ça se marie super bien, c'est juste trop bon. Ouais, dans le goût, ouais, c'est ça. Mais du coup, à l'apéritif, en fait, tu peux mettre les deux. Ça fait un petit goût différent avec une petite vinaigrette. Bon, moi, je mets à chaque fois, je prends sauce soja, du coup, parce qu'il n'y a pas de calories dedans. Mais c'est trop bon, c'est juste trop bon. Et en plus pour l'apéritif, vous pouvez faire un putain de pardon de plateau, en fait. Vous mettez des radis, du chou-fleur cru, de poivron, des tomates cerises. Bon, après je sais pas si vous aimez bien manger, moi j'adore les repas qui durent des heures et tout. Voilà, et donc du coup ça c'est juste l'apéritif et après vous pouvez encore manger. Donc je trouve ça génial. Donc ouais, les légumes je kiffe. Radis, concombre, voilà, bon, il y a les tomates cerises. Ouais, donc là en fait... Ouais. Donc après ça dépend si vous aimez manger en quantité, moi je kiffe manger en quantité. Voilà, donc du coup on mettra du citron jaune aussi, comme ça on aura vraiment le max de vitamines dedans. Pas, il faut que j'enlève la partie blanche et du coup Doom, j'ai pas vu d'après mes photos de repas, je peux pas dire que j'aime pas le blanc. Ouais, t'en manges presque tout le temps, ouais, je suis d'accord. C'est trop bon le poivron. Ah, c'est clair. Attendez, j'enlève la partie blanche, je vais enlever la partie blanche, c'est pas très bon. Bon, après, il y en a qui disent qu'il faut éplucher la peau parce que c'est pas très digeste. Bon, ok. Voilà, ça dépend des personnes. Moi, du coup, ça me pose pas de soucis. Ce qui est plutôt bien. Voilà, comme elle est un peu dure, il y en a qui l'épluchent, mais bon. Non. Tu trouves que je l'épluche pas bien? Non. L'Optan. Non. Oh là là. Ouais, c'est cool, on se marre. Ouais. Et ouais, donc du coup, en fait, au four, ça va perdre un petit peu plus ses nutriments que si vous mangez cru. Voilà. Alors on va commencer, là en fait j'ai mis un demi poivron, mais je pense que juste un quart de poivron pour l'instant c'est bon. Parce que sinon on va avoir du poivron au quinoa. Attendez, je vais vous montrer parce que là le poivron il commence déjà à prendre de la place. Hein. Donc ça va être un quart de poivron.
Ouais, déjà. Et en plus, ça fait trop joli, ça fait une belle salade. Ça va être plein de couleurs, ça va être trop bien. Bon, on s'arrête sur le quart. Donc ça terminera en bâtonnet. On va se faire un petit bâton. Ouais, non mais merci trop, merci pour l'équipe. Je vais faire un best-of hein, où je vais tout mettre dedans et tout. Hein. Après, du coup, on va mettre des graines de lin toujours. Ouais, non, c'est pas des graines de lin, faut que j'arrête. Ça, c'est des graines de courge. Donc on va en mettre un petit peu. Hop. Donc avec plein de protéines. Donc très bien. On va mettre aussi celle-ci. Donc après au niveau des quantités, hein, c'est vous qui choisissez hein, en goût et tout ce que vous aimez. Après, il n'y a pas que celle-ci, hein, vous pouvez mettre d'autres. Ah, d'autres. Ah, mes purées, je suis en gros plan. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Oléagineux. Ok, alors du coup ça je récupère là. Voilà, donc là on est bon. J'aime quand il reste croquant. Ouais, c'est vrai que dans le wok, c'est là, ouais, c'est le côté qui est plutôt sympa. Je suis d'accord. Après, bah moi, poivron rouge, j'avoue, quand tu sais, quand il est mariné là, dans l'huile d'olive, là, quand il est tout fondant, le poivron rouge rôti, ah là là. Ça aussi, j'aime bien. Mais du coup, il y a moins de nutriments, mais bon, c'est pas grave. Hein. Tout est une question d'équilibrer. D'équilibrer et de varier ce qu'on mange. Hop, voilà. Donc, du coup, on y va. Je vais vous montrer la salade, je trouve trop belle. Ah, c'est trop bien. Donc là, il y a plein de couleurs. C'est juste trop bien. Ça donne trop envie. Alors, on va mettre un petit peu de jus de citron et on va mettre des échalotes. Ok. Alors, ça va nous servir pour les pop-corn. Donc là, on est bon pour le gâteau. On va regarder le gâteau. C'est parti. C'est ma joie de voir qu'aujourd'hui je n'ai pas appelé le dieu pour que ça lève et du coup ça lève quoi. Ah, attendez. Non, il faut encore la cuisson. Je vous montre en fait ce qu'il a fait. J'espère qu'ils vont pas redescendre à cause de mes conneries. Vous avez vu comme ils ont bien monté? Ah, attendez. Quand je demande que ça monte pas, ça monte quoi. C'est trop bien. Allez, on va remettre encore dans 5 minutes. Et la moussaka, on va peut-être la sortir. Oui, on va la sortir. Okay. Bon, ça c'est bien, c'est le genre de plat qui, voilà, qui brûle pas trop non plus. Donc c'est parfait pour moi. Ok. Voilà. Donc du coup, ça donne ça. Donc nous avons notre moussaka. Donc bien sûr, moussaka allégé, hein, parce que... mais hyper protéiné hein, par la viande rouge du coup. Rouge. Hop. Bon, là il y en a pour un régime. Hein. Alors je vais mettre, parce que lui aussi je vais tester, donc la petite aubergine de Doom que je vais tester, hop, du coup je réchaufferai après. Donc je mets là tout ce qu'on a fait, hein. Donc là c'était ma cata. Donc il me reste l'échalote et le jus de citron, sel, poivre, clip everywhere. Voilà, je vous donne du boulot quoi, c'est vrai, oh mon dieu. Voilà, c'est private joke entre mecs, hein. Je ne vais pas commenter. Hein. C'est pas gentil. Non, elle est belle l'aubergine. Ok. Voilà. Donc j'ai fait mon petit point vaisselle, là je suis bien. Je vais ranger mes poivrons. Donc du coup les légumes. Ouais voilà, hop là, ça c'est bon. On va faire notre tzatziki. J'ai mon pot qui est ouvert, je pense qu'on va prendre celui-là. Voilà, on va terminer. On va faire le tzatziki avec ça, mon coucou. Il est où? Il est là. Wouhou! On va peut-être terminer d'avoir la salade, hein? Au lieu de penser à 10 milliards de trucs en même temps. En principe, fais une sauce plus liquide, plus étale. Ah d'accord, ok. Donc attends.
Donc la sauce, il faut qu'elle soit plus liquide, plus étalée au pinceau. D'accord, ok. Bah du coup, c'est vrai que tu sais, je l'ai fait au doigt. Je l'ai fait au doigt et bah là, du coup, c'est vrai que ça n'a pas tenu. Alors du coup, on s'en sort petit à petit. J'avais sorti les graines de sésame noir, mais du coup, on ne les a pas utilisées. Je voulais faire d'autres graissins, mais on fera un test une prochaine fois. Avec la farine de lupin, j'aimerais bien essayer. Pareil, qui est hyper protéinée. Donc, du coup, autre test en vue. Ouais, parce que là, du coup, sur Doom, mon Dieu. Désolée encore, vraiment. Ok, donc du coup, bah, hop là, faut que j'arrête moi. Hop, je fais des petites pauses, ça discute, mais ça bosse pas. Alors attendez. Hop, je vais chercher mon petit coupon et mon échalote. Voilà. Ouais, mais il y a du chocolat là. Non. En même temps, c'est celle qui coupe trop bien, donc bah, je vais la laver. Ouais, hier c'était compliqué, hein. Oh là là, non mais mon Dieu. Bon, on a quand même réussi à sortir le pain kebab, hein. Le pain kebab et puis le reste. Bon, c'était la sauce était bien. La sauce n'était pas grillée parce que du coup elle était froide. Hein. Le poulet, il avait un petit peu grillé. Mais ça, je vous dis, ça c'est à cause de c'est à cause de mes plaques. Vous savez, c'est jamais de ma faute en fait. Hier, on avait remarqué ça. Et du coup la deuxième pâte, donc ce que je me suis aperçue, donc la deuxième pâte qu'on avait faite, parce que je pensais que la première n'allait pas monter, du coup je l'ai laissée lever pendant 3 heures, ça n'a rien changé en fait, elle avait exactement le même volume que l'autre, donc du coup en fait il n'y a pas eu de différence, donc je pense que bah, la levure du coup elle avait bah, elle a fonctionné, mais bizarre. Et je l'ai fait sous forme de petit burger comme ça, et donc du coup ça peut être une idée pour un burger, bon du coup il ne sera pas veggie, il sera pas veggie, mais ça peut être un burger en fait. Donc il était moelleux à l'intérieur et tout, donc c'était cool, en tout cas c'était bien. Voilà, donc j'ai fait un test de burger et ça a fonctionné. Ouais, c'était le fameux stream ça reste de la cuisine expérimentale. Oui c'est ça, c'est un peu ça en fait. Hein. Ah merci Doom, c'est vrai que les chercheurs ils gagnent pas tout le temps, hein. Il faut qu'ils fassent et qu'ils refassent. Hein. Ah merci, merci, merci. Spéciale fête à attendre de la Saint-Jean. Mais on a... Ah, c'est quoi la fête de la Saint-Jean? Je connais pas. Je connais la chanson? Les amoureux de Saint-Jean? Les amants de Saint-Jean. Je connais pas la fête de la Saint-Jean, c'est quoi? Alors, du coup, on va couper nos échalotes hyper finement. Donc, l'échalote donc, au centre, si elle a germé, il faut que vous l'enleviez parce que ça se digère hyper mal. Là du coup ça n'avait pas germé, ouf, hein, contrairement à l'oignon, contrairement à notre mystère. Bon du coup j'aurais pu ne pas le mettre mais faire une vinaigrette avec l'échalote. Voilà, bon ce sera directement dans la salade. On va mettre du jus de citron, sel, poivre. Là du coup je vais mettre sel, poivre. Voilà, tout petit petit. Donc la Saint-Jean du coup c'est quoi? À la Saint-Jean généralement on fait un grand feu de joie. Ah ok, on crame des gens c'est ça? Ah ok d'accord, yep, exact, ok bah je viens de comprendre, ok. Ok, bon bah ouais, hier c'était la Saint-Jean. Et bien comme il faut. Ah le gâteau. Je me débrouille pas aussi mal, hein. Ah mince, je suis un peu éloignée, je sais pas si vous voyez. Mais ça y est là, hein, ça. Ah, il suffit que je dise ça pour que ça. Ok, bon, bah à la fin c'est un peu moins, c'est un peu plus merdique. Hein. Bon, il y avait quand même une partie qui avait germé là, bon c'est pas grave. Ouais, bah cette partie-là, je vais. Bah en fait, ouais, dans le. Bah... Première partie, il n'y avait pas, c'est dans la deuxième, il y avait. Hop.
Ok, donc là on est bien. Voilà, j'étais en concentration donc du coup j'ai pu parler. Voilà, c'est bon, fini. Du coup, on va regarder nos petits gâteaux. J'espère qu'ils sont encore gonflés. Ouais, ils sont encore gonflés, c'est un truc de fou. C'est trop bien. Et ils sont cuits. Ah, attendez, je vous les montre. Bon, j'espère qu'ils vont pas redescendre. Je pense qu'il faut que je les laisse pas refermer dans le four. Bon, c'est un peu dégouliné. Donc, du coup, voilà. Donc, je vais les laisser porte un tout petit peu ouvert pour pas que ça redescende. J'espère que ça va pas redescendre, c'est trop joli. À démouler, ça va être chiant, ça je vous le dis. Ok, oui, ça va être chiant. Ok, et là-haut, il n'y a rien. Bah, il n'y a plus rien. Donc, le four, on est bon. On est bon. Bon, du coup, il nous restera le tzatziki. Et puis, bah, écoutez, on sera bon. Et lancer les pop-corns, bien évidemment. Nous avons lancé les pop-corns. Hop là. Donc, toujours petite poignée. Et donc là, on a un repas super équilibré. Hein. On va manger et puis on va manger de ouf. Enfin, ça va être trop bien. Enfin, ça va me tenir. Allez, je pense que. Donc, la salade, bon, moitié. La salade aujourd'hui. Par contre, la moussaka, je pense que j'en ai encore pour demain. Ouais. Et les graissins aussi. Bah, du coup, ça me permettra de savoir si les graissins se conservent. Parce que sinon, ça va faire beaucoup. Donc, du coup, une poignée, hein, 70 calories. On se plaise. On se fait plaisir. On y va. Pas de matière grasse, vous mettez rien. On met les petits popcorns. Bon, là encore, je trouve qu'il n'y a pas assez. On va en mettre encore un petit peu. Hein. Voilà. Voilà, là on est bien. On couvre. Et ça sera pour la petite apéro. Alors, il donne trop envie. Ouais, grave. Donc là, et puis le petit dégoulinant. Ouais. Surtout toi, parce que nous, on a parlé. On est à la diète. Ouais, bah ouais, toi, donc, du coup, c'est vrai que t'as la diète. Ok, donc on y va, je mets mes échalotes. Donc ça fait plein de couleurs, c'est trop beau. Ah, il y en a qui ont mal coupé. Ah bah, je croyais avoir bien coupé et tout. Alors regardez, en fait, ça s'est caché. Donc je croyais avoir bien coupé ici, mais derrière, il y avait des grands. Donc j'étais pas arrivée jusqu'au bout. Les débuts étaient jolis. Citronné vinaigré, donc moi du coup je mets un demi citron. Vous, si vous voulez juste mettre un filet de citron, et là du coup je vais mettre 4 sel, un petit peu, pas beaucoup. Bon, on va prendre celui-là, hop, voilà. Du poivre, le poivre qui est très bon pour la santé, donc allez-y avec les échalotes, c'est trop bon. Vous faites une vinaigrette, genre vous mettez les échalotes, vous mettez la salade verte par-dessus, un petit filet d'huile d'olive, poivre et du poivre. Oh là là, c'est trop bon. Donc regardez, elle est pas trop belle la salade? Elle est trop belle. Cette salade michoua, mais hip trop. Ah, je sais pas, j'ai pas compris le mais hip trop. Du coup voilà, j'ai mis des graines de courge, on a aussi des graines de tournesol. Très bien. Donc après vous pouvez vous mettre ce que vous voulez. Hein. Voilà, petite salade qui se fait hyper rapido. Donc on va mettre ça dans une jolie assiette. Est-ce que j'ai une jolie assiette? Non. Ah, vous savez, pour le délire, on va mettre ça dans un verre. Attendez. Les graissins aussi, tiens. Les graissins, ils vont faire 3 km. On va mettre ça dans le verre. Ça va être joli, hein? Comme ça, on va voir toutes les couleurs. Comme ça, je prends... Et j'oublierai pas de prendre la photo. Non, mais hier, de justesse. Hein. J'ai dit merde, la photo. Hop là. Ouais, ça fait plein de couleurs. C'est trop joli. Bon, même s'il fait pas beau hein, chez moi, là, ça va. C'est relou. Voilà, c'est plus joli que dans un bol. Du coup. Et on laissera la cuillère pour servir. C'est pas mal, hein? Joli, hein? Plein de couleurs et tout. Et on aurait pu... on aurait pu faire en différents étages, en fait. Quinoa, on met du poivron vert, poivron rouge,
des petites graines et puis après on a juste à mélanger. Voilà, c'est pas mal. Voilà. Bon, c'est moi qui trouve ça pas mal, hein. Ah bah oui, tu m'étonnes. Hype, mon anglais donne trop envie. Ok, d'accord, merci pour la traduction, c'est vrai que... Voilà, donc du coup, nous avons notre petite entrée qui est là. On va faire les graissins, on va les mettre... Alors, on va faire le test. Ouh, j'ai un petit peu peur pour ceux qui sont un petit peu plus épais. On fait le test. Bah, ça croule. Il faudra encore juste 3-4 minutes. Bon, écoutez, on va les mettre 3-4 minutes, c'est con. Non, j'aurais dû faire le test avant. Ah bah non. Là c'est les gâteaux. Ok. Ouais, du coup ça retombe. Bon, c'est dommage. Bon, c'est pas grave. Il faut que je les sorte là pour vous montrer. Et je vais mettre les graissins ici. Hop. Allez, 5 minutes. Ouais, comme je les ai bien fait épais et tout, je pense que c'est pour ça. Alors, on va sortir les gâteaux. Ok, on y va. En tout cas, ça se décolle facile, donc c'est trop bien. C'est rassurant. On va récupérer le papier. Au secours. Donc en dessous, ça se décolle nickel. Ça a failli se barrer. Alors, on laisse 5 minutes. En plus, le four est encore chaud. Et on va bien sûr chronométrer. Et je suis désolée, là, je vais lire le chat. Hop, 3 minutes. Allez. Bon, allez, 5. Du coup, je reprends. Il donne trop envie. Ok, merci. Tout le temps parce que. Ouais, ok. Ok, bon bah c'est bon, ok parfait. Ouais, avec les poivrons rouges, ouais, tu m'étonnes en ratatouille, oh là là, c'est clair. Donc voilà, donc là du coup ça colle pas, c'est bien. C'est chaud par contre. Et on va mettre ça, on va essayer de démouler. Bon, les popcorns sont encore en train de cuire. Alors, on va essayer de démouler. Quelque chose me dit que ça va être compliqué. Non, ça c'est de l'oignon. Bah écoute, on va partir avec celui-là. Je sais pas si c'est une bonne idée. Bon, c'est encore un moment solennel, hein. Bon, je vais arrêter de toucher. Hop. Ouais, du coup, c'est voilà, faut pas oublier de chemiser, ce sera peut-être plus simple. Je crois qu'on va être bon. Ok, je pense qu'on va être bon. Attention, tadam! Ouais, je crois qu'on va être bon. Yes! Ah. Bon, après, on l'arrangera pour qu'il soit joliment présentable. Il a l'air d'être mielleux. Attendez, je vais vous montrer. Hop. Wouah. Roulement de tambour, ouais, grave. Donc, alors on va regarder. Bah écoutez, il a l'air d'être moelleux. Je sais pas si vous voyez, il est un peu tremblotant et tout. Voilà. J'espère que ça va être bon. Ah, j'espère que ça va être bon. Parce que là, du coup, c'est ma recette, quoi. Avec du skir. Ouais, c'est vrai qu'on a fait bien l'anti-corail, bien skir. Et d'ailleurs, il faut que je vous poste mes recettes avec les anti-corail. Les gâteaux à base de lentilles corail, donc ça fait des gâteaux hyper protéinés pour le dessert. Donc voilà, il est un peu tremblotant, donc j'espère que vous voyez. Je suis trop contente. Ouais, du coup, on va le dessert. Voilà. Alors, allez. Voilà, donc là, ça a fini de faire pop, 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 pop. Donc on éteint. Donc le deuxième, hop, on va juste laisser que ça refroidisse et on va s'attaquer à notre tzatziki qu'on va mettre dans le pain. Alors. Bon, pareil, on va rester dans. Bon, ce sont des petits verres à margarita, mais c'est sympa pour la présentation. En fait, les verres, j'aime bien. On va peut-être prendre un bol déjà pour mélanger tous les ingrédients. Du coup, 140 grammes, ça veut dire que je vais partir sur 3, donc une grosse cuillère à soupe, ça fait
Alors, pour la farine, ça fait 10 grammes, mais là, ça fait 30 grammes quand c'est du yaourt. Donc, on va partir sur 4 cuillères à soupe. Une, deux, trois. Et j'ai envie de vous dire que je vais terminer mon pot. Voilà, comme ça. Donc là, c'est pareil, nous aurons un apéritif protéiné qui ira avec des graissins protéinés. Voilà, donc un max de protéines. Bon, même si on a la viande, hein, du coup. Bonjour Marie Tourelle. Tu vas bien? Ah, les follow, j'ai pas vu, il est en follow. Mince. Merci, Guéton, My Period. Donc là, du coup, on est à la... Donc attends, Marie, il faut que je te montre. Du coup, hop là. Donc nous avons taboulé salade vitaminée, donc on a mis du quinoa, poivron rouge, poivron vert, des graines de tournesol, échalotes, sel poivre, citron. Voilà, donc du coup ça c'est pour l'entrée. Alors, bon la moussaka ça fait vraiment très moussaka du dimanche, donc du coup on n'a pas mis la, tu sais, la partie qui fait grossir, la partie béchamel. Donc là en fait il n'y a aucune matière grasse, d'habitude il faut badigeonner les aubergines d'huile, bah moi j'ai rien mis du tout et tout ça fonctionne. Après j'ai mis des épices et tout pour que ce soit bon. Et alors attention, ce dont je suis très fière, donc c'est la spéciale Myriam à base de skyr. Donc le gâteau vient de sortir et en fait il est encore tout tremblotant. Voilà, donc on a bien surveillé la cuisson, donc c'était 15 minutes. Et voilà, donc il y a du skyr dedans, il y a farine de châtaigne. Et voilà, donc du coup, ouais, je suis contente. Là c'était... Et alors ça on a fait avec Doom. du coup en fait là, bon, on a mis du miso caramélisé avec de la sauce soja. Donc je vais goûter parce qu'on peut peut-être essayer de faire un caviar d'aubergine avec ça. Ou même en fait simplement un légume rôti. Ouais, merci, merci. Mais du coup ouais, attends, je te... Hop là. Voilà, donc on a... Et attends, on n'a pas fini, il nous reste l'apéritif. Hop là. On a remis 5 minutes. Bon écoutez, on a remis 5 minutes. Maintenant, je vais attendre que ça refroidisse. Et puis, j'aurais peut-être dû les faire un petit peu plus fins. Donc du coup, on a fait des graissins à base de farine de couche pour récupérer des protéines. T'as fait pain, crème vanille et clafoutis. Ah, bien. Bon, alors, très bonne raison d'être en retard. Très bonne raison. Ok. Enlève ça devant mes yeux. J'y connais. Ok. Attends, je suis sûre que le méchant du royaume des trésors, Gastro le roi, est mon ennemi juré. Ouais, merci, merci Marie. Du coup, on termine sur le tzatziki. Alors, donc là, on va mettre notre concombre. Bon, là, c'est pareil, hein, je pense qu'on va en avoir pour 2 jours. Donc, à la place du yaourt grec, nous avons mis toujours notre copain muskir. Voilà. Du coup, alors on part. Jus de citron. Donc là, je vais en mettre un petit peu moins que l'autre. Voilà, donc je mets juste un filet. Donc tzatziki, du coup, on sera obligé de mettre un petit peu d'huile d'olive quand même. Là, on a notre ciboulette. C'est la ciboulette d'hier. Et j'ai pris la menthe aussi. Notre ciboulette d'hier. Du coup, je vais la couper. C'est bien, je fais double utilisation, c'est très bien. Donc menthe en fait faut mettre à peu près ouais, si vous aimez menter, je sais pas si ça se dit en plus, je sais pas si c'est français pour la maîtresse, bravo bravo. Donc là si vous voulez je vais bien y aller. Et on terminera par un petit peu de menthe, pas trop, je vais faire juste 2 feuilles. Concentration, concentration. Hop. Je pense que voilà, là, voilà, on peut aller plus vite. Donc là, il y a bien 2 cuillères à café, donc une grosse cuillère à soupe. Hop. Et comme d'habitude, il y a des grands qui s'échappent. Hop là. Les poivres. Donc là aujourd'hui il y a un petit peu de sel quand même. Du coup c'est parce que les plats, je pense qu'il faut un petit peu les relever quand même. Et du poivre, hein. Un tout petit peu de poivre. Ok. On termine.
avec notre menthe. Et du coup, nos graissins, on va pouvoir les tremper dedans. Ça va être trop bon. Et mentholé, tu... Ouais, c'est ça. Merci. Donc, ça se disait pas un menté. Hein. Ah, bravo la fille, quoi. Ouais, c'est ça. Mentholé, en plus. Ok. Et on va... je vais vous montrer les pop-corns pour l'apéro. Voilà. Du coup, nous avons notre tzatziki. Alors moi, il paraît un petit peu... on n'a pas des jolies tranches de concombre parce que j'avais pas la râpe qu'il fallait. Et je pense que mon concombre était un peu mou. Mais si vous avez un concombre qui est bien dur de... Bah de la cour... des courses, moi ça date de lundi du coup. Donc voilà, ils sont un peu ramollis. Je déteste plus un pour... Ouais. Je déteste chercher mes mots, ça arrive de plus en plus avec l'âge. Ouais, donc d'où moi aussi, je pense que c'est avec l'âge. Alors du coup, on va mettre ça là-dedans. Comme ça, après on va tremper. Voilà, je vais vous mettre en présentation là-dedans. Ce sera quand même plus joli que dans le bol. Et nous avons notre tzatziki. Donc je rappelle, hein, c'est du yaourt grec. Moi, j'ai mis du skyr à la place. Voilà, donc nous avons notre tzatziki dans lequel on va pouvoir tremper nos graissins. Voilà. Voilà, donc ça c'est pour l'apéritif. Donc du coup, on refait le petit point, je vous fais le sur l'arrière là. Je pense que ouais, vous voyez. Heureusement que je bois pas de mojito, imagine. Ah ouais, tu m'étonnes. Ouais, t'es déjà en forme, c'est comme moi, tu vois, il n'y a pas besoin de boire en fait. Hein. C'est tout le temps, wouhou. Mais bon, attends, c'est trop bon. Du coup, on va mettre ça aussi dans un je ne sais pas dans quoi. Je n'ai pas de grand verre. Attends, on va mettre ça là-dedans. Ah bah ça rentre. Le truc qui va faire 3 km. Alors pour la présentation, nous avons des bâtonnets de 3 km. Des graissins de 3 km. Accompagnés de petits tzatziki à côté. Donc on a la mousse. Alors on a l'entrée. Hop, taboulé vitaminé. Et du coup, vous voyez ou pas? Heureusement, tu posterais pas les mêmes photos sur Discord. Bah, merci Marie, bah, c'est gentil, merci. Certainement, je ne pourrais pas les poster de moi. les gars, il y a blague. Bon, bah voilà, bah, écoutez, nous allons regarder les petits pop-corn. Hop là. Donc, je vous refais pas le petit point pop-corn. Je pense que vous aurez marre d'entendre. On va mettre ça dans un petit bol parce que, bien évidemment, ça va accompagner l'apéritif. Alors, attendez, où est mon petit bol? Voilà. Ok, alors on y va. Donc toujours un petit peu de popcorn, un petit peu de sel. Mais du gros, hein, enfin un petit peu plus gros que le sel. Hein, pour que ça accroche bien. Hop là, petit popcorn. Et voilà. Et après, vous inquiétez pas, donc là on a l'impression qu'on met une tonne de... Ah, et la bannière, bah, j'ai même pas eu le temps de voir Herbaille. Au revoir Herbaille. Ouais. Je savais qu'il allait te plaire. Excellent. Ok, bon bah au revoir Herbaille, dommage. Donc du coup en fait le sel il va retomber, hein, donc vous n'avez pas mangé tout le sel que vous mettez. Et du coup, de toute façon, si vous cuisinez à la maison, arrivez aux 5 grammes de sel par jour, faut y aller quand même. Hein. Après, c'est surtout quand on achète les plats industriels, là, il y a une tonne de sel, forcément, exhausteur de goût. Bon, le chat n'est pas descendu, je pense que c'est, vu qu'on a utilisé ni la trancheuse, ni la micro, ni le mixeur, le monsieur ne s'est pas planté. Voilà, donc nous avons un bol où il y a 70 calories. Bon, hein, on peut se goinfrer. Ah
Ouais, donc bah, Gaston, ça faisait longtemps qu'il n'avait pas fait ça. Et du coup, comme bah, Strike, ça fait un petit moment qu'il n'est pas passé, du coup, je pense que ça devait le démanger. Voilà, donc du coup, nous avons tout comme ça. Voilà, et nous avons le petit gâteau. Et notre petit gâteau. Du coup, je vais couper ce petit gâteau, on va le mettre sur une plaque. Voilà. Donc, ouais, c'est bien, ça se démoule facile. Donc les quantités, c'est pour deux beaux gâteaux. Très bien. Donc attention, on mange avec modération. Je ne vais pas manger les deux gâteaux ce midi. Et ni les deux dans la journée. Hein. Donc il y en a un pour aujourd'hui, un pour demain. Et si j'en mettais un au frais pour faire le test, voir s'il est meilleur frais que chaud. Je pense que je vais faire ça. Donc celui-là, je vais le mettre au frigo. Ok, ça se démonte très bien. Allez, mon coco. C'est dans les coins où c'est dans le coin. Voilà, donc nous l'avons sous deux formes carrées. Bon, lui il est un peu retombé hein, du coup. Ouais, bah là c'est pareil, toujours tremblotant et tout. Donc, bah écoutez, lui il va partir au frais comme ça, on va voir si je peux le servir comme gâteau frais ou pas. Voilà, bon, bah écoutez, je savais qu'il allait. Ouais. Gastro est en manque de. Bah, c'est ça, ouais, c'est ce que je pense, il est en manque de ban. Attends, les trois premières lettres, oui, c'était hype. Attends, c'était quoi? Hop là, comment il s'appelait? Ah non, je retrouve pas. Waouh, je veux le même. Ouais, merci. Ouais, alors du coup, Madoum, tu sais, c'est pas pour le mettre au congélateur, c'est pour. Pour voir en fait s'il sera meilleur en fait en gâteau comme ça, tu sais, tu le sors du four, ou si tu le sors du four et tu le mets au frais et tu le manges genre une heure après. Voilà, c'est juste pour faire ce petit test là. Mais ouais, voilà. Bon bah écoutez, merci d'avoir été avec moi aujourd'hui. Comme d'habitude, c'était un vrai plaisir, c'était cool. Donc voilà tout ce que nous avons réalisé. Hop là, on va pousser un petit peu. Voilà, nous avons réalisé tout ça ensemble. Donc hop, bah mes pop-corn, on les a fait ensemble. Notre tzatziki, nos graissins de la mort. On va faire un petit test. Allez, on prie. Ouais. Donc du coup, il manquait. Allez, bah ça, il fallait bien 20 minutes, comme ils étaient plutôt épais. Yes. Ah, avec des petites graines de là, la fleur de sel que j'ai oubliée par dessus. Ça aurait été trop bon. Donc du coup, nous pouvons avoir des graissins protéinés. Ouais, qui font pas grossir. Enfin, c'est-à-dire, ça dépend de la quantité. Ouais, merci Marie. Merci Marie. Bon appétit à tout le monde. Ouais. Alors, le meilleur visionnage, c'est hier, le pain kebab. C'était folklorique. C'était... Waouh. Bon, bah super, merci. Ouais, merci pour les tests. Ouais, du coup, c'est les tests réussis aujourd'hui. Je suis contente. Et sans matière grasse. Attention, pas de matière grasse. Des farines qui sont hyper intéressantes nutritionnellement. Et voilà. Et donc, je vais arrêter de parler. Et vous souhaiter un très bon dimanche à tous. Et bah, je vous remercie encore d'être là, en fait, et de me suivre. Hein, c'est vraiment cool. Et on passe des trop bons moments. Donc, voilà. Donc, merci à vous. Merci. Voilà. Donc, je vous dis à mardi. Mardi, normalement, pour le sport. Ok. Allez. Bon dimanche. Ça va t'occuper, ouais. Bon dimanche à tous. Gros bisous. Bon appétit.